Bonjour à tous. Alors, comme convenu aujourd'hui, j'accueille de nouveau notre cher ami Xavier Héral. Il y a eu beaucoup d'engouement, beaucoup de commentaires au sujet de la dernière vidéo qui a vraiment plu. Les auditeurs sont vraiment très heureux de vous entendre parler en français, hein, Xavier. Donc, nous avons décidé de faire cette émission concentrée sur les prophéties du père Michel Rodrigue. Alors, avant propos, je rappelle aux auditeurs qui tombent sur cette vidéo sans vraiment savoir ce qui se passe, nous avons affaire à un expert en apparition mariale et prophétie de nos jours des derniers temps. Xavier Héral vit aux États-Unis, en Floride. C'est un père de famille qui a deux enfants. Et je vous invite à aller visualiser la vidéo que nous avons fait la semaine dernière, que vous trouverez en dessous là de la vidéo dans le descriptif donc de cette vidéo, pour mieux connaître, bien qu'il va se représenter brièvement à nouveau dans 2 secondes, vous aurez plus d'informations sur son parcours. Vous trouverez aussi ces livres que je vous invite à vous procurer. Certains sont en français, d'autres arrivent, ils sont en traduction actuellement. Donc, procurez-vous ces livres pour avoir plus d'informations détaillées sur les travaux de Xavier Héral au sujet des temps d'aujourd'hui et des prophéties diverses et variées dont nous allons parler un petit peu aussi aujourd'hui à nouveau. En tout cas, nous allons nous concentrer sur le père Michel Rodrigue. Bonjour Xavier Héral, comment allez-vous? Bonjour Cyril, très très bien, merci, et vous-même? Ça va super, je sais qu'il est super content de parler français, il me l'a dit juste avant qu'on lance la vidéo là. Il dansait presque à la caméra, il est super heureux de parler français parce qu'il vient de faire une semaine vraiment de travaux non-stop, comme on dit en anglais. Pardon, excuse-moi Xavier, si je parle en anglais, il va pas aimer. Eh bien, il n'a pas arrêté. Moi, je suis sur les réseaux sociaux américains aussi et je le vois apparaître partout. Et il est vraiment au taquet et donc il est très heureux de parler en français sur notre chaîne. Et on est très heureux de vous avoir, Xavier. Moi donc, aussi, merci de nous faire cet honneur. Non, l'honneur est à moi. Imaginez-vous, parler en français auprès de mes compatriotes, retour aux sources, retour chez moi. Merci à vous. À Dieu. Alors, avant une petite prière, je vais vous proposer, si ça vous va, Xavier, je vais prier en français en intro et je vous laisserai prier en latin à la fin de l'émission. Ça vous va comme ça? Parfait. Mais avant de se faire, comme je viens de le dire en préambule, nos auditeurs trouveront les détails de la première vidéo et de la grande introduction de qui vous êtes et quel est votre parcours dans la première vidéo. Mais juste une petite intro quand même, qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous faites. Voilà, s'il vous plaît, pour les nouveaux. Entendu, ben, très très brièvement, je suis français, je vis aux États-Unis depuis un certain nombre d'années. J'ai travaillé pendant un certain nombre d'années avec l'abbé René Laurentin avant qu'il soit devenu un monseigneur. J'ai travaillé avec lui approximativement 8 ans sur un cas en particulier dont j'ai écrit 2 livres en France, aux éditions Résiac, un message d'amour et un appel à la conversion. Et de plus, donc j'ai écrit ensuite aux États-Unis un livre qui s'appelle Revelations, Révélation. Ce livre en question, je viens de le publier également en espagnol avec la maison d'édition Austin Macaulay, n'est-ce pas? Et je suis en train de travailler sur la traduction en français. Je suis ami avec les gens du Chrétien Magazine à Paris qui travaillaient auparavant de façon très approché avec l'abbé René Laurentin. Et voilà, donc je continue à me dédier aux apparitions de la Vierge Marie aux 4 coins du monde. Et donc les choses sont ainsi. Je suis ravi de travailler avec finalement les gens de chez moi, avec les Français, avec Cyril, avec une autre dame roumaine sur une autre chaîne. Bref, l'important est de propager un message qui devient de plus en plus urgent. Et c'est ce à quoi je me dédie en forme de... C'est pour rendre grâce. Rendre grâce pour le trajet que Dieu m'a accordé. Et voilà. Merci Xavier. Donc vous trouverez tous ces éléments dans la description de cette vidéo hein, pour en savoir un peu plus, chers amis. Alors nous allons commencer en prière. Ça vous va Xavier? On y va? Au nom Allons-y. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force de Dieu, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. On finira en latin seulement avec Xavier Erhal qui nous guidera. Alors, cher ami, cher Xavier Erhal, parlez-nous du Père Michel Rodrigue. Je vais mettre une petite photo. Voilà, on le voit à l'écran. Parlez-nous d'abord, comment le connaissez-vous et comment ça s'est passé au début? Eh bien, figurez-vous que j'ai appris à le connaître comme l'immense majorité des fidèles, c'est-à-dire à travers le YouTube. Je l'ai vu pour la première fois dans un programme d'un podcast américain qui se dédiait entre autres et qui se dédie encore à ce jour à promouvoir les messages de la Vierge Marie à travers un certain nombre de voyants autour du monde, n'est-ce pas? Et c'est un podcast qui est très, très bien fait, mais que je ne nommerai pas pour des raisons qui vont être évidentes dans un moment. Okay. Sur ce, j'ai commencé à suivre c'était un programme où le Père Michel avait été invité en Californie en 2020, et c'est un séminaire. Et ce séminaire en question, qui a duré environ 3 jours, le Père Michel avait célébré une sainte messe, et puis il s'était dédié pendant de nombreuses heures à expliquer son trajet depuis l'âge de 3 ans, où il a commencé à voir notre Seigneur et à parler avec lui comme si c'était une chose on ne peut plus ordinaire. D'ailleurs, ce petit bonhomme qu'il était pensait dans sa naïveté d'enfant que tout le monde parlait et voyait Dieu le Père éternel comme lui-même le faisait. C'était au fur et à mesure que les années passaient qu'il se rendait compte qu'effectivement, il aurait une vie et un trajet très particulier, qui lui fut d'ailleurs annoncé par Dieu le Père, et qui lui demanda s'il serait d'accord pour devenir prêtre. C'était une question dont il connaissait d'avance la réponse, car le Père Michel, dès un très jeune âge, ne voulait qu'une seule chose, n'avait qu'une seule ambition, c'était de servir Dieu et l'Église qu'il a formée à travers son fils sur Pierre. N'est-ce pas? Tout ça, il vous l'a raconté de vive voix quand vous l'avez rencontré, donc. Ah, absolument. Tout ce que je vous dis, c'est un écho de nombreuses conversations que lui et moi, nous avons eues en personne. Donc, le Père Michel Rodrigue, il est de quelle région de France? Et il n'est pas en France, il est au Québec. C'est un Québécois. Ah, d'accord, j'ignorais ça, vous voyez, j'apprends des choses. Parce que moi, je ne suis pas assez au courant de l'histoire. Je pensais qu'il était français, qu'il avait immigré au Québec. D'accord, je découvre. Non. C'est un bon Québécois, avec un énorme sens de l'humour. Et il fait partie de l'archevêché de Amos, très au nord du Québec. Donc, oui, il parle avec en accent québécois, là. Il est très, très sympathique. Il est le premier à se moquer de lui-même. Il a un très bon sens de l'humour. Un sens de l'humour, on ne peut plus ça. Donc, dans des podcasts en anglais, je l'ai vu, en effet, il est assez drôle. Absolument. Et j'aime beaucoup parler avec lui. Je parle très bien l'anglais, je parle the King's English. Mais il me fait paraître toujours extrêmement bien, car je vais vous dire, il parle anglais comme une vache espagnole. J'ai vu ça aussi, oui. Mais il est le premier à le reconnaître. Et il dit ça toujours avec beaucoup d'humour. Donc, voilà, donc je l'ai connu comme l'immense majorité des gens. Aux quatre coins du monde, en écoutant, en voyant ces podcasts. J'étais en train de l'écouter en 2020 et pensant, je me disais,
mais c'est un drôle d'individu. Il parle de choses qui sont très sérieuses, parfois sur des prophéties qui sont difficiles à digérer, Cyril. Et il le fait en réussissant à le faire dans une atmosphère qui est très sain, qui enlève l'angoisse ou la peur, et plutôt qui inspire la confiance, à la foi, à la paix, et toujours avec le rire facile, voyez-vous. Je n'avais jamais vu une chose pareille, n'avais-je observé une approche similaire à celle du révérend père Michel Rodrigue. Donc, il y a beaucoup d'autodérision, j'ai vu. Absolument. Hein. Et d'ailleurs, c'est l'humour le plus intelligent qui soit, n'est-ce pas? Jamais, enfin, se prendre au sérieux, mais jamais se prendre sa personne trop au sérieux. Ce qui aussi démontre une certaine humilité qui n'est pas plastique ni artificielle. Elle était spontanée. J'ai beaucoup aimé. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans l'Internet, surtout anglo-saxon, vous voyez des tas de gens qui sont pleins de eux-mêmes, qui sont consumés d'une fierté si mal placée, tellement contradictoire, voyez-vous, que j'ai tendance, vous savez, même lorsque le sujet est sans en lui-même, à changer de chaîne. Je me barbe, mais je me barbe à périr quand j'entends des gens me dire « Ah, l'Esprit Saint m'a inspiré à vous dire ceci. » Je vous en prie. J'ai envie parfois de répondre à ces gens-là. Vous avez perdu une belle occasion de vous taire et heureusement pour vous que le ridicule ne tue pas. Enfin, je manque de charité en ce moment, je vous prie de m'excuser. Mais je partage avec vous ce que je ressens parfois. Et comme si nous étions tous, nous portions tous le même nom de famille. Donc, je continue. Donc, sur ce, en écoutant le père Michel, c'était une approche tellement rafraîchissante. Et j'écoutais pour voir si, bien que je ne sois pas un expert, ni que je m'en prétends en être un, j'écoutais pour voir si je trouvais quelque part des contradictions ou certains matériaux qui seraient opposés à ceux du dogme de la foi ou du dipôt de la foi. Dans mes connaissances limitées, j'ai été incapable de trouver quoi que ce soit qui était contradictoire à la foi catholique, romaine et apostolique, vraiment. Et croyez-moi, j'ai cherché. Mais je ne faisais que d'écouter cet homme qui me semblait plus qu'autre chose dévoué, consumé par un certain amour envers Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un amour très particulier pour la Vierge Marie, qu'il avait adoptée pour sa mère, et un amour inconditionnel pour l'Église catholique, en dépit de toutes ses erreurs. Oui. Avant d'aller plus loin, Xavier Héral, je vous coupe juste deux secondes pour dire aux auditeurs, parce que je sais que certains le pensent, et je ne voudrais pas qu'ils s'en aillent, ne vous inquiétez pas, Xavier va aussi parler des controverses. Ça va être mentionné, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, moi je vous l'ai promis, donc je ne sais pas ce qu'il va répondre, puisque je ne suis pas du tout au courant, et on n'a pas eu le temps de se parler cette semaine, donc on va le découvrir ensemble, mais restez bien en ligne, il va nous en parler plus tard, autant voulu. Allez, je vous laisse continuer, pardon. En fait, j'y arrive, parce que vous allez voir, on y arrive justement. Mais effectivement, il y a eu une controverse, et pas des moindres. Donc je vous explique. Au fur et à mesure que je racontais que le père Michel expliquait le trajet de sa vie, certaines prophéties qui étaient, pour le moins qu'on puisse dire, qui, en ce qui me concerne, avaient fait que ma personne avait perdu 5 degrés de température en question de secondes. Les prophéties ne sont pas particulièrement réconfortantes, au contraire. Et entre autres, il faisait part de certaines révélations qui lui furent faites concernant l'Église catholique, une guerre civile qui aurait d'ores et déjà lieu, ce qui en sortirait de cette guerre civile, et certains événements géopolitiques qui frapperaient, entre autres, non seulement l'Amérique du Nord, mais l'Europe. Je vais entrer en détail là-dessus, mais après avoir parlé des controverses, si vous m'en donnez la permission, Cyril, je pensais, si vous ne voyez pas d'objection maintenant, d'aborder la question controversiale, d'expliquer ce qui s'est passé, et d'après d'aller en détail sur les prophéties en question. Donc, au fur et à mesure que j'écoutais cela, je m'étais vraiment, j'étais devenu très emballé et très enthousiaste au sujet de ce prêtre québécois. Et je me suis dit, bon, mais il faudrait tout de même que je me mette en contact avec lui. J'étais déjà en train d'écrire le livre en anglais, Revelation, ça c'est la version espagnole. Ça c'est la version espagnole qui vient de sortir, Revelaciones. Non? Car je lis et j'écris
parfaitement en français, en anglais et en espagnol. Donc, le livre en anglais était sur le point d'être terminé, puis je me suis dit, bon sang, il faut rajouter un sous-chapitre au chapitre 9 qui se dédie principalement aux révélations qui ont été faites à certains saints, papes et mystiques, entre autres le Père Pio, sa sainteté, le pape Léon XIII. J'ai même révélé les 5 secrets de Bernadette qui ont été révélés à Bernadette Soubirou, qui ont été cachés de façon éhontée dans une boîte de fer avec le sceau de l'archevêché local pour se perdre dans les profondeurs du Saint-Siège, de la librairie du Saint-Siège. Heureusement. Et on trouve ça dans votre ouvrage, dans votre livre Révélation. Tout est là. C'est merveilleux, ça. Très bien. Absolument. Et quand est-ce qu'il sort en français, rappelez-nous, on n'a pas encore les dates. Le problème, c'est que je croise le fer avec un temps qui m'est très cher. Et je suis en train d'essayer de trouver, je vais probablement m'adresser aux gens du Chrétien Magazine ou à quelconque autre personne qui serait apte à m'aider, parce que vraiment, je croise le fer avec un temps qui m'est tellement limité. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis aussi un papa de 2 jeunes enfants à qui je dois me dédier également. Il y a une épouse que j'aime énormément. Enfin, voilà. Donc, je continue. Donc, sur ce, au fur et à mesure que les émissions, les épisodes sur ce séminaire en Californie avaient lieu, je m'emballais de plus en plus et je trouvais vraiment ce prêtre épatant. Je le trouvais vraiment formidable et son approche était géniale. Elle inspirait confiance, elle inspirait le vouloir d'aller à la messe, ça renforçait la foi. Bon. Puis, lors d'une de ces derniers épisodes, il annonça une prophétie qui fut difficile à avaler. La prophétie fut la suivante. Le jour viendrait où, au cours d'une troisième guerre mondiale, l'Italie qui serait coincée en étaille par une invasion qui viendrait du nord et du sud, verrait le Saint-Pontife François et le pape émérite Benoît sous attaque. Ils seraient appelés à quitter la ville, mais ils mourraient à la fin en martyr. Remarquablement, Dieu le Père lui aurait dit que le pape François serait le premier à rendre l'âme. Peu de temps après, suivi par le pape émérite Benoît, et qu'ils mourraient tous les deux martyrs en quittant, en essayant d'évacuer Rome, mais qu'ils seraient rattrapés, je fais référence au pape Benoît, ils seraient rattrapés et exécutés. Nous savons tous que cela ne s'est pas passé ainsi. À quelle date il a dit ça? Il a donné cette prophétie en 2020. Il n'a pas dit quand cela se passerait, mais il a dit que cela fut une révélation qui lui fut faite par Dieu le Père éternel. Bon. Sur ce, évidemment, quand finalement, le 31 décembre 2022, sa sainteté, le pape Benoît XVI émérite, est mort, a disparu. Ici aux États-Unis, je vais vous dire, Cyril, il y a une flopée d'insultes, de diffamations, d'accusations, toutes sortes de médiocrités qui sont tombées sur le pauvre pape, sur le pauvre Père Michel. Injustifiable. Parce que même en dépit du fait qu'il aurait annoncé une prophétie qui était erronée, cela ne justifie pas l'injustifiable. Bon, il faut tout de même savoir se comporter et surtout maintenir un minimum de calme et de sang-froid avant de se prononcer à la hâtive. Ça démontre plus qu'autre chose non seulement de la méchanceté, mais de la bêtise et de l'amateurisme. Donc, moi, de mon côté, j'étais comme tout le monde. C'est-à-dire, enfin, jusqu'à un certain point, je me demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que... Enfin, ça, c'est grave, parce que je me disais, bon sang, c'est une prophétie qui a été clairement annoncée devant 10 millions de témoins, car cette émission, enfin, cette série de prophéties allait dans les 4 coins du monde et traduite avec des sous-titres dans toutes les langues du monde. Là, vraiment, je me suis dit, bon sang, si le Père Michel ne donne pas une explication et pronto, il va perdre toute sa crédibilité, n'est-ce pas? Alors, j'avais un avantage énorme sur l'immense majorité des gens qui lui tombaient dessus comme une tonne de briques. C'était que j'avais pour le moins une très brève formation ayant travaillé avec l'abbé Laurentin pendant un certain nombre d'années, 8 ans pour être exact. Donc, je savais qu'il ne fallait jamais se précipiter,
sans la moindre conclusion et savoir observer en silence. Et surtout, étant catholique, ma foi me dictait qu'il fallait le faire avec un minimum de charité. Donc, cela dit, cela fait. Et j'écoutais, j'observais, et puis soudain aux États-Unis surtout, et aussi dans certains pays latins, non seulement il y avait d'innombrables nombres de commentateurs qui lui tombaient dessus, comme je vous disais, qui le calomniaient, qui le diffamaient, qui l'insultaient, qui le traitaient de faux prophète, et je ne sais quoi. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un podcast, une chaîne de podcast de grande renommée aux États-Unis qui l'appuyait dès le début, avant cette controverse. Je ne vais pas les nommer. Et qui l'appuyait, l'avait même une de ses représentatrices, qui est l'auteur d'un livre plus ou moins successful aux États-Unis, l'avait accompagnée en Californie. Et vous savez, elle était la première à lui taper le dos quand les caméras tournaient, avec un grand sourire d'oreille à oreille. Non? Donc, quand tout allait bien, évidemment, il fallait paraître. Malheureusement, quand toute cette histoire s'est déclenchée, ses anciens amis, non seulement ne sont pas venus à sa défense, ne lui ont pas offert une antenne, mais l'ont complètement abandonné. Ils lui ont donné véritablement le baiser de Judas, en disant, en faisant un commentaire dans leur propre podcast, en disant, écoutez, en vue de la situation ayant trait à une prophétie faite par le révérend père Michel Rodrigue, nous sentons qu'il est de notre devoir de retirer toute information ayant trait au père Michel et à ses révélations, mais vous pouvez le joindre en appuyant sur ce link. Enfin, ils l'ont mis à part dans une boîte, dans une oubliette. Voyez-vous ? Jusque-là, j'entends, pardon de vous couper, jusque-là, on entend bien sûr le message de charité qui a manqué, mais on est, je vais jouer un peu l'avocat du diable, hein, pardon Seigneur, c'est une façon de parler. On peut en même temps comprendre qu'il y ait eu une vague de plus que de questionnement. Alors ça excuse pas encore une fois le manque de charité, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais jusque-là, vraiment, on est en droit de se poser des questions sérieusement. Ah bah écoutez, j'étais le premier à m'en poser. J'étais le premier à me poser des questions. Je ne comprenais pas vraiment, c'était tragique. Mais écoutez, ça ne justifie pas l'insulte. Ça ne justifie pas la calomnie. Enfin. Ça ne justifie pas la diffamation. C'est une question non seulement de charité catholique, c'est une question d'éducation. La mienne, en tout cas, m'interdisait ce genre de propos. C'était absurde, surtout vis-à-vis d'un homme qui a dédié sa vie à sa foi, un prêtre catholique par-dessus le marché, qui tous les jours invoquait la présence du Christ à travers le Saint-Sacrement de l'autel, qui donne la confession et l'absolution de Dieu à toute personne qui lui demandait pardon, et en plus un exorciste qui a fait tellement de bien auprès d'innombrables personnes au Canada. Car il était ami, il était lié au séminaire avec son archevêque, il se tutoie à ce jour. Et parfois, son archevêque lui disait, bah, « Écoute, Michel, rends-moi ce service, il faut que tu ailles à Canada, cité, car il y a ces gens-là ont un démon dans leur maison et la fille est possédée. » Et notre exorciste est allé voir son arrière-grand-mère à Ottawa et ne peut pas être là. Bon. Et parfois, il se chamaillait comme chien et chat. Le père Michel lui disait, « Bon sang, mais tu aurais dû prendre tes propres mesures. Tu as refusé que je sois ton exorciste officiel parce que tu en avais déjà trop. Bon, je vais te faire ce service, mais c'est la dernière fois. » Vous voyez, vous connaissez, vous avez une idée de l'esprit. Donc, le père Michel avait effectivement annoncé une prophétie qui ne s'est pas réalisée. Mais je me posais des questions. Mais ce n'était pas une raison non plus pour lui tomber comme une enclume. Et malheureusement, les anglo-saxons n'ont pas hésité. Ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. Boum, ils ont fait feu de tout bois en ouvrant feu avec l'artillerie lourde. Et lourde, croyez-moi. Et même ses amis l'ont abandonné. J'observais tout ça, comme je vous disais, Cyril, de loin. Et puis cela m'a rappelé beaucoup de choses. Entre autres, l'expérience que j'avais témoignée quand il y a environ une trentaine d'années, la même chose s'est produite à Medjugorje. Lorsque l'évêque de Mostar avait attaqué les voyants de ce petit village, alors que depuis le début, l'archevêque de Mostar appuyait les enfants de Medjugorje jusqu'au moment où finalement l'ordre franciscain avait refusé de relâcher leur protection sur les enfants qu'il leur avait demandé, alors qu'il fallait comprendre la situation. L'ordre franciscain, et vous allez comprendre la relation, l'ordre franciscain n'était pas sous la juridiction épiscopale de l'archevêque de Mostar. Alors, l'abbé Laurentin
à charger, comme un chevalier des temps modernes en venant à la rescousse des enfants, car effectivement, l'archevêque avait pris très mal pour son ego, avait pris très mal que les enfants refusaient de se remettre entre la protection de son archevêché. Immédiatement, l'archevêque de Mostar a changé de fusil d'épaule sur le champ et s'est mis en campagne contre eux et contre les franciscains. L'abbé Laurentin est arrivé à Mostar, il a parlé avec l'évêque et il s'est fait traiter de tous les noms. Encore une fois, l'injustifiable, une soupe, Cyril, de médiocrité et de contradiction pour notre communauté catholique. Pour ceux qui ne comprennent pas, là, les auditeurs, Xavier Héral nous parle en parallèle, pour en revenir à l'histoire de comment ça s'est passé avec Pierre-Michel Rodrigue. Il prend comme exemple les polémiques qui ont eu lieu à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, où la Vierge Marie apparaît depuis 1981 à six visionnaires. Je vous laisse continuer. Oui. Et donc, toute cette histoire qui se passait aux États-Unis contre le père Michel me rappelait ces incidents que j'avais pu témoigner quand je travaillais à l'époque où j'étais en contact avec l'abbé René Laurentin. Et je me suis dit, bon sang, c'est très très vif ce qui se passe. Ce n'est pas normal. Il y avait un esprit d'animosité qui flirtait avec la haine contre le père Rodrigue. Mmh. Alors finalement, encore une fois, je savais que je m'exposais auprès d'innombrables personnes qui se mettraient contre moi à cause du livre Revelations que j'ai publié aux États-Unis, d'abord en anglais. Mmh. Particulièrement, enfin, et surtout des parties de gens qui avaient beaucoup d'influence dans les stations de société les plus élevées. Là, je me suis dit, bon, ben, si je charge moi aussi à la défense d'un prêtre qui a une telle controverse, je vais me faire flamber. On va me canarder avec toutes sortes de noms et je ne sais quoi. Je me suis dit, bon, ben, la grâce de Dieu, j'en ai parlé à mon épouse, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses ? Courage, fuyons. J'étais très tenté. Mais mon épouse m'a dit, écoute Xavier, nous avons une dette, une reconnaissance de dette envers Dieu énorme. Nous devons de faire face à toutes sortes de conflits. D'ailleurs, dans toute guerre, il y a des batailles. Suce à l'ennemi. Alors, je me suis lancé. J'ai pris le téléphone de suite et j'ai appelé le père Rodrigue au Canada. Tout de suite, c'était sa secrétaire qui s'appelle Denise qui a dit « Allô, oui ?» J'ai dit, bonjour madame, voilà, je m'appelle Xavier Héral. Je voudrais, s'il vous plaît, si c'est possible, parler avec le révérend Père Michel. Et je vous prie de m'excuser, c'est l'heure du déjeuner, je ne me suis pas annoncé. Alors, Denise m'a répondu, oh, vous êtes le monsieur français qui parle sur YouTube? J'ai dit, oui madame, effectivement, mais je viens pour parler au sujet du révérend Père Michel, est-ce qu'il serait disponible? Ah oui, attendez, mais attendez. Tout de suite, j'ai entendu le clac du téléphone contre la table et ses talons en train de faire clac, 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 en train de courir vers le bureau du père Michel. Du père Michel. Et j'entendais quelques bras dans le background. Et puis, soudain, j'entends le père Michel arriver et il prend le téléphone, il prend le combiné, il me dit « Oui, bonjour, monsieur Héral, comment allez-vous ?» Et j'ai répondu « Très bien, mon père, je vous remercie. Excusez-moi d'avoir pris la liberté de vous appeler sans m'annoncer. » mais vraiment, j'avais vraiment besoin de parler avec vous. Oui, mais dites-moi, cher ami, en quoi puis-je vous être utile? Alors, je lui ai dit, écoutez, mon père, voilà. Certainement, cela ne vous aura pas échappé que vous êtes sous une campagne d'attaque féroce, ici aux États-Unis, ayant trait à la prophétie que vous avez faite en 2020 sur la disparition, sur les disparitions du pape François et de sa sainteté, le pape émérite Benoît XVI. C'était quand tu appelles, Xavier? Cela avait eu lieu en mois d'avril de l'année dernière, à peine un an de cela. Avril 2023, d'accord. Exactement. Et alors, il y a eu un bref silence. Il m'a dit, oui, mon jeune ami, me dit-il. Jeune ami, imaginez-vous, j'ai 55 ans. Mais il m'a dit, en effet, mon jeune ami, je suis parfaitement au courant de ce qui se passe. Mais vous savez, je suis en paix. Je suis plus qu'autre chose désolé pour toutes ces personnes, mais je suis en paix, je suis avec Dieu, j'ai la consolation ultime et je suis en paix. Je dois vous admettre par contre que la chose qui m'a le plus blessé, c'était que ceux que je croyais être mes amis m'ont complètement lâché. Moi, j'ai été abandonné, mais vous savez, notre Seigneur aussi, à la fin, juste avant sa crucifixion.
mais je vous remercie de votre appel. Je comprends mon père et c'est tout à votre honneur de faire ce commentaire, mais je me permets d'insister. Car, comme on dit bien chez nous, les absents ont toujours tort. Et votre silence, particulièrement dans les pays anglo-saxons, sera interprété comme une admission de culpabilité. Mm-hmm. Vous devez, et je vous prie de m'excuser pour la liberté, vous ne me connaissez pas, vous ne me connaissez ni d'Adam ni d'Ève, donc je prends beaucoup de liberté en vous appelant et en me permettant de tels propos. Alors, attendez, je vous coupe, Xavier. Vous dites que vous ne le connaissiez pas, vous lui parlez comme ça au téléphone alors que vous l'avez rencontré en 2020, je ne comprends pas. Non, je ne l'ai pas rencontré en 2020. Je l'ai écouté en 2020 sur le YouTube, comme l'immense majorité des gens. J'ai bien fait de vous poser la question, parce que moi, j'étais dans l'erreur, là. J'avais l'impression que vous l'aviez rencontré quelque part en 2020, où j'avais cru comprendre en Californie. Donc là, je me suis trompé, très bien, je clarifie la chose. Tant mieux, parce que si des auditeurs avaient pensé aussi la même chose, comme ça, au moins, c'est clair. Vous ne l'aviez pas encore rencontré, vous le connaissiez à travers YouTube, d'accord. Entendu. Absolument. Non, vous avez bien fait. Vous découvrez l'un et l'autre. Ok, très bien. Absolument. Non, écoutez, j'ai vécu tellement longtemps aux États-Unis que parfois mon français n'est pas exactement. Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je pense que c'est moi qui l'est parce que comme on parle et c'est intense. Il y a un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'il a dit qu'il l'avait rencontré en 2020 et j'avais oublié le lieu. Donc, vous voyez, j'ai bien fait de vous poser la question, moi, c'est clair. Là, pour la première fois, vous vous parlez, on est en avril 2023 et vous l'appelez et je vous ai coupé à ce sujet-là. Donc, on comprend bien. Allez-y. Vous avez un bon réflexe. Donc, effectivement, je l'ai simplement connu en écoutant sur YouTube comme l'immense majorité des fidèles catholiques autour du monde. Mais je ne l'ai jamais rencontré en personne et je n'ai jamais échangé le moindre propos avec lui. Jusqu'à ce jour, jusqu'à avril de l'année dernière. Exactement. Donc, je l'ai appelé exclusivement pour cette raison, pour lui dire, écoutez, mon père, vous devez, et je vous prie de m'excuser pour prendre tant de liberté auprès de vous, mais vous devez, il me semble, que de donner une explication, d'apparaître sur YouTube et de croiser le fer. Parce que ce qu'on dit de vous est vraiment honteux. Il y a, vous savez, ceux qui essayent de vous tâcher se tâchent eux-mêmes par leur manque d'honneur et leur lâcheté, car il est très facile d'attaquer quelqu'un qui ne répond pas. Mais vous devez de répondre, mon père, car d'innombrables fidèles ont mis du stock dans leur foi, dans les propos que vous leur avez apportés, et qui ont rempli leur cœur et qui les ont rapprochés d'une façon ou d'une autre à leur propre foi catholique. Mmh. Là, je me suis heurté plutôt encore à un bref silence. Et il m'a répondu, écoutez, vraiment, je vous remercie parce que j'apprécie énormément ce que vous faites. Je dois d'abord m'adresser à Dieu le Père. Mais permettez-moi d'abord de vous expliquer ce qui s'est passé. Là, je l'ai interrompu le plus aimablement possible en lui disant, mon Père, comprenez bien, vous ne me devez aucune explication. Je ne vous en demande aucune. Il me semble simplement que pour toutes les personnes qui vous ont connu et qui vous ont écouté, et qui se sont rapprochés à leur foi grâce à vos propos, vous devriez le faire. Il m'a dit, je comprends et vous avez raison. Et vraiment, j'apprécie énormément, surtout l'esprit avec lequel vous vous êtes approché à moi. Mais j'insiste, je vous demande de bien vouloir m'écouter et de bien comprendre ce qui s'est passé. J'ai dit, bien entendu, mon père, je suis à vos ordres. Alors, il m'a répondu, il m'a donné l'explication de ce qui s'est passé. Voici donc l'explication. Le 28 décembre de l'année 2022, quelques jours avant le début de l'année du nouvel an 2023, le Père Michel, toujours au Québec dans son monastère, était en train de célébrer la messe, n'est-ce pas, devant les quatre moines qui travaillent sous ses ordres, au monastère en question, dans un ordre que lui-même a fondé avec l'approbation du Saint-Siège, et devant des fidèles qui venaient des quatre coins de la région, n'est-ce pas. Soudain, au moment de l'élévation, qui est le moment le plus sacré de la Sainte Messe, le révérend Père Michel entend une locution de Dieu le Père éternel qui lui dit « Michel, mon fils Benoît ne verra jamais l'année 2023. » À ce moment-là, au moment de l'élévation, le Père Michel s'était arrêté. Il avait été pris par surprise. Et puis un grand sourire s'était dessiné sur son visage. Personne ne comprenait. Puis la messe continuait jusqu'à la fin. À la fin de la messe, le Père Michel, avec son rire habituel, était en extase. Il était très content. Il avait partagé avec les quatre moines avec qui il partage le monastère et avec les fidèles qui venaient lui serrer la pince, n'est-ce pas, après la Sainte Messe. Il avait
partager la révélation qui venait de lui être faite. J'ai entendu Dieu le Père m'annoncer cette très bonne nouvelle, la destinée de sa sainteté Benoît XVI, qui était de finir sa vie en martyr dans la souffrance, a été changée dû au fait que d'innombrables fidèles autour du monde qui ont entendu le podcast que j'ai fait il y a deux ans de cela, ont prié, ont fait une intercession pour le Saint-Père, pour Benoît XVI. Et il semble que Dieu les a écoutés et qu'il a changé le trajet de sa destinée, de sa vie. Nous pouvons rendre louange à Dieu, gloire à Dieu. Il en était ravi aux larmes. Mais il m'a dit qu'effectivement, jamais au grand jamais, n'avait-il la suspicion que cela allait entraîner une véritable bourrade de critiques, d'insultes et de jurons. Bon, mais on peut dire, en écoutant cette histoire, c'est de hearsay, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, ce sont des propos qui, on peut dire, à la légère, il faut des preuves, n'est-ce pas? Et c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Il faut que je vérifie cela. Il faut en avoir le cœur net, n'est-ce pas? Bon, entre-temps, le père Michel m'a expliqué cela, et cela, sous témoin, les moines l'avaient entendu, et les fidèles, certains fidèles, pas tous, qui l'attendaient à l'entrée de l'église de son petit monastère, avaient effectivement entendu les mêmes propos, ils s'en réjouissaient. Bon, mais malheureusement, l'immense majorité des gens ne savaient pas cela. Alors je lui ai dit, écoutez, je vous prie de considérer ma proposition. Si vous acceptez, je vous trouverai d'une façon ou d'une autre une antenne. J'ai déjà été interviewé plusieurs fois aux États-Unis pour mon livre. Je vous obtiens ça en deux temps, trois mouvements. Mais il faut que vous me donniez le feu vert. Il me dit, ben, écoutez, très bien, laissez-moi d'abord méditer, prier et demander à Dieu le Père quelle est sa volonté. Et je vous ferai savoir. Je vous rappelle demain, si vous voulez, demain soir ou dans les jours qui suivent. Je dis, très bien, mon Père, je vous remercie. Encore une fois, excusez-moi pour ce manque de politesse de vous avoir appelé ainsi à la légère et en catastrophe. Je vous remercie, il m'a béni et on en est resté là, Cyril. Je n'ai pas dû attendre très longtemps. Je rappelle aux auditeurs que donc ça s'est passé la messe entre Noël et le jour de l'an en 2022, c'est le 28, si vous avez dit, si je ne me trompe pas, et que Benoît XVI est décédé le 31 décembre, donc trois jours plus tard. Exactement. Et ça, croyez-moi, c'est prendre un énorme risque de crédibilité que d'annoncer une chose pareille devant des témoins. C'était littéralement lancer les dés. Bref. Je n'ai pas dû attendre très longtemps. 24 heures plus tard, un peu plus, je dirais peut-être une trentaine d'heures plus tard, le père Michel me passe un coup de téléphone. Il me dit, bah, écoutez, mon jeune ami, Dieu le Père m'a dit qu'effectivement, il fallait que je me défende et que je défende l'œuvre qu'il m'a assignée. Donc, je vous suis. Est-ce que vous avez pu obtenir quoi que ce soit? Je dis, non, je n'ai pas voulu me lancer dans cette affaire avant d'obtenir votre confirmation, mon père. Donnez-moi 24 heures et je me lance en campagne pour vous trouver tout de suite un microphone. D'accord, je vous remercie et on en est resté là une fois de plus. À ce moment-là, je vous admets, Cyril, je pensais que l'affaire était fichue. Je pensais que l'affaire, il fallait faire une croix dessus, qu'il n'accepterait pas. Donc, je me suis mis en campagne un peu sur la qui-vive. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé tous les hôtes des émissions qui m'ont fait l'honneur de m'inviter. Pour m'interviewer. J'ai appelé à Taylor Marshall, qui est très connu ici aux États-Unis. J'ai appelé tout de suite à John Henry Weston, qui est aussi une matière grise en la matière aux États-Unis, qui est le directeur d'une chaîne qui s'appelle LifeSite News au Canada. Vous y étiez cette semaine. Exactement. Ben, vous ne ratez rien. Vous ne ratez pas le coche. Et oui, Xavier Herral est en train de parler de grosses chaînes américaines anglophones, hein, pour le coup, et donc c'est de l'autre côté de l'Atlantique, mais ça circule sur le web beaucoup aussi. Absolument. Et tout de suite, le John Henry Weston, avec qui je suis devenu très bon ami, non, il m'a dit, Xavier, stop looking for an antenna. Xavier, arrête, ne cherche plus. Tu as trouvé ton microphone. Je ne connais pas le révérend père Michel d'Adam ni d'Ève, mais je t'obtiens un temps d'antenne. Si tu veux, je te donne 2 heures, si tu veux, demain. Demande au père Michel s'il serait disposé à apparaître et à parler en direct demain de 11h à 1h de l'après-midi. Heure
de la côte est des États-Unis. Il y a 3 heures, 3 fuseaux d'horaire aux États-Unis. Il y a Eastern, il y a Central, il y a Mountain, il y a Pacific. Il y en a 4, pardon. Alors, cela dit, cela fait, j'ai pris le combiné tout de suite après avoir accroché avec lui et je parle au père Michel qui me dit, bah, écoutez, il n'y a pas de souci. Je serai prêt et on fera ça sur Zoom. Alors, très, très bien. Je rappelle un Henry Weston. Pouf, il m'a arrangé la chose. Il m'a dit, mais Xavier, je voudrais que tu le présentes et je voudrais que tu fasses un commentaire à la fin du show. Mon premier réflexe, c'était de dire, écoute, je te remercie, j'apprécie énormément, mais je pense que si j'apparais, je vais paraître comme son babysitter. Je ne crois pas que je lui rendrai service en faisant cela. Je crois qu'il faut qu'il se défende et qu'il croise le faire lui-même. Il m'a dit, non, je ne suis pas d'accord. Je pense que tu dois le présenter et faire un commentaire à la fin pour montrer effectivement qu'il n'y a pas que moi qui l'appuie, qu'on est ensemble, qu'il a des suppos. J'ai réfléchi, je me suis dit, oui, il a raison. Acceptons. Mais je lui dis, tu sais, l'objet de cela, ce n'était pas par lâcheté, c'était pour que moi je diminue, comme disait Saint Jean le Baptiste, pour que lui augmente. Mais tu as raison, j'accepte. Faisons les choses ainsi. Juste une petite coupure, Xavier Herral a dit des suppos, alors attention, il y a un lapsus là, ça vient de son anglais en fait, où il dit des supporters, des gens qui l'appuient, non pas des suppos, parce qu'on pourrait dire des suppos de Satan aussi, il y a vraiment un lapsus qui est pas beau là, mais il a pas fait exprès, ça n'a rien à voir, donc comme je suis aussi bilingue, je comprends très bien pourquoi il a dit ça. Je vous remercie. Attaque, hein. Je suis certain que vos téléspectateurs sont en train de rire. D'ailleurs, je les entends en train de rire en ce moment. Faites un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Non, mais je suis le premier à rire de moi-même, vous savez. Je vous prie de m'excuser. Effectivement, parfois, j'ai tendance à parler franglais et c'est profondément frustrant. Tout premier pour moi-même, donc excusez-moi. Non, mais c'est très clair. C'est très bien. Vous avez un très bon français. Donc, sur ce, le lendemain matin, on était tous en rendez-vous et l'abbé Laurentin, le père Michel, a été absolument sensationnel. Il parlait avec un accent non seulement français lorsqu'il parlait son anglais de petit nègre, comme on dit en France, non, mais en plus, il avait un accent d'authenticité et de bonne foi. J'étais aux anges. Je ne pouvais pas être plus content. Et c'était John Henry Weston qui lui posait question après question, et il n'était pas particulièrement commode au tout début. Il lui disait, il parlait avec un franc-parler. Et le père Michel, sans se désorienter, répondait du tac à tac. Mais il répondait très aimablement, et toujours avec, comme je vous disais, un accent de bonne foi. À la fin, j'ai conclu en disant, ben, écoutez, there you have it, we have the truth. Ici, vous avez absolument la vérité qui vous a été enfin dévoilée, car le père Michel avait expliqué la même chose qu'il m'a expliqué la veille au téléphone. Mm-hmm. Et c'était parfaitement clair. Bon, sur ce, tout de suite après, le lendemain matin, on reçoit d'autres appels, d'autres chaînes de podcasts, dont celle de Mother and Refuge, qui veut dire une mère et un refuge, dont le propriétaire est un Australien qui s'appelle Ron Ray, et qui avait employé une jeune femme canadienne qui s'appelle Monique Turnbull. Monique. Mm-hmm. Voilà. Il parle encore d'une grosse chaîne américaine, anglophone, pardon, ça se passe en Australie, en effet. Voilà. Exactement. Pour les auditeurs, c'est une chaîne. Mother and Refuge. Mother and Refuge. Of the End Times. Of the End of Times, exactement. Mm-hmm. Alors, sur ce, Monique Turnbull, qui est une Française de parents belges et français, parlait français, un français très châtié, et tout de suite l'invita, et le lendemain matin, l'interview eut lieu, qui dura 2 heures et quelques, en anglais. Et là, le pauvre père Michel était complètement abasourdi par la fatigue. Il était ivre de fatigue, au point qu'il ne se rappelait même plus son propre nom. Façon de parler, juste au cas où il y avait la moindre confusion. Donc, il était vraiment en chaos. Mais il avait finalement, de la même façon qu'il avait répondu la veille, quelques jours auparavant, avec John Henry Weston, il avait su se défendre correctement, tout en bénissant toujours ses agresseurs. En ne répondant coup de bâton pour coup de bâton. Il était resté très correct et, je dirais, très catholique. Quelques jours plus tard, une troisième intervention a eu lieu auprès d'une autre chaîne de podcast dont l'hôte était une dame américaine qui s'appelle Christine Bacon. Là, j'ai eu un problème, pas un problème, mais je la connaissais très bien, une dame charmante, un petit ange sans elle.
une dame absolument incapable de méchanceté, mais qui avait des contacts. Alors, il faut que je fasse attention parce que je ne veux pas pointer ou donner d'indices ayant trait à certaines personnes. Ben, je me faisais du souci pour elle car elle avait des amis qui étaient tombés très dur sur le père Michel. Et j'avais peur de lui poser des problèmes, voyez-vous. On en reste là. Mais elle s'en fichait, du tiers comme du quart. Et elle a dit, Xavier, moi je me dis dire la vérité. Notre Seigneur a été crucifié pour la vérité. Il était la vérité. Amen. Il est la vérité. Amen. Je me dois de le faire. Amen. Alors j'étais en admiration devant cette femme qui n'avait pas froid aux yeux et qui lui a ouvert la porte afin de lui donner une opportunité de s'expliquer également. Puis à ce moment-là, c'était un tsunami d'invitations de toutes les directions cardinales du compas. Nous voulons voir le père, nous voulons inviter le père Michel. Le père Michel doit venir ici, etc. À ce moment-là, voilà, le père Michel avait reçu pour message de Dieu le Père éternel d'arrêter cette campagne de messages, car c'était suffisant. La troisième était la dernière, mais le Père éternel lui avait dit, le jour viendra où tu devras à nouveau apparaître sur plusieurs chaînes de YouTube pour demander aux fidèles de se préparer. Mais pas encore. Le Père Michel m'avait fait écho des instructions qu'il venait de recevoir. Et j'ai dû décevoir une quantité industrielle d'hôtes de différents podcasts aux États-Unis et à l'étranger. Cela fut fait. Et vous avez les trois interviews, entre parenthèses, que vous pouvez trouver à ce jour dans l'Internet. D'ailleurs, celle de John Andrew Weston, j'étais en train de voir par curiosité. Tous les jours, les viewers, les téléspectateurs, la quantité augmente. On en est à 300 000 et quelques aujourd'hui. 300 000 et quelques. C'est la victoire, c'est le triomphe et on a réussi à mettre la vérité à la lumière. Mais je vous admets, bien que j'étais content des résultats obtenus, car le volume d'attaque avait considérablement réduit, bien qu'il y en avait encore. Et ces anciens amis n'avaient pas rectifié le tir en le remettant correctement sur leur site. Donc, et moi, je continuais à recevoir des appels ou des messages me disant « Ah ben, nous ne continuons pas à croire au Père Michel ». Car ce podcast en question continue à ne pas à croire en lui et ne l'a pas réhabilité dans leur site. Ça me faisait monter la moutarde au nez. Ça m'exaspérait à un point qui moi-même m'énervait. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'affectait tellement, mais ça m'affectait. Avant que vous alliez plus loin, je voudrais juste faire une petite coupure et comme je ne sais pas ce que vous allez dire, tant mieux d'ailleurs. Je vais juste faire cette petite parenthèse parce que ça me fait penser aux paroles de la Vierge Marie qui apparaît à tous ces grands lieux d'apparition où elle dit les enfants priez. Là, je vais mentionner Pontmain où elle dit priez mon fils se laisse toucher et il vous exaucera en peu de temps. Donc pourquoi je dis ça? Bah parce que en effet nous avons notre libre arbitre, c'est une chose, mais nous avons aussi il n'y a pas de fate, comme on dit en anglais, il n'y a pas de destin scellé. Nous avons le pouvoir, si on savait à quel point on a le pouvoir de changer les choses. Je ne sais plus quel pape, je voulais vous mentionner Léon XIII tout à l'heure, peut-être que c'est lui qui a dit « donnez-moi 1 million de soldats priant le rosaire et je convertirai le monde entier ». Mais c'est vrai, et c'est là, je finirai là-dessus, c'est que quand le père Michel, pour sa gouverne, je ne sais encore une fois pas ce que va dire Xavier Herral par la suite, mais pour sa gouverne, en effet, s'il y a eu autant de prières que nécessaire pour empêcher cette prophétie où il allait être martyrisé, ça peut s'expliquer, c'est intelligible en tout cas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tout à fait. Mais je voulais en avoir le cœur net. Il fallait que je me rende au Québec, il fallait que je parle aux moines, et il fallait que je parle aux laïcs qui avaient témoigné de cela. Je voulais en avoir le cœur net. Et ne pas faire comme toutes ces grenouilles de bénitiers qui s'en étaient pris au pauvre Michel Rodrigue, simplement en entendant le son d'une cloche, un son d'une cloche. Je voulais écouter les deux sons de cette cloche. Donc sur ce, j'en ai parlé au père Michel, et je me rappelais encore certaines choses et certains conseils que l'abbé Laurentin me disait quand j'étais un jeune homme moi-même, il y a une trentaine d'années de cela. Xavier, approchez-vous, il faut toujours s'approcher des cas d'apparition avec un esprit très critique. Et surtout ne pas montrer
de favoritisme ou d'émotion, car cela est une faiblesse, et c'est une faiblesse qui peut souvent être exploitée par les personnes en face de vous. Et il avait parfaitement raison, c'était la sagesse même ce qu'il disait. Alors, je parle au Père Michel. Le Père Michel, je lui expliquais que je voulais aller là-bas et que j'aimerais bien le rencontrer. Il m'avait invité pour la fête de l'Assomption, qui était le 15 août. Également, une semaine entière, il me donnait l'hospitalité, où il allait faire célébrer l'ouverture de la construction finale du monastère et de la chapelle qui était à l'intérieur. Donc, c'était providentiel. Donc, j'ai pris le premier avion depuis Miami pour Montréal. Montréal, j'ai pris une voiture, je suis allé directement là-bas. C'est très, très loin. C'est très, très au nord de Montréal. Ça m'a pris environ 8 heures de route, sans arrêt. Je suis arrivé là-bas et tout de suite, l'atmosphère était absolument idyllique. C'était merveilleux. Il y avait beaucoup d'innombrables fidèles de la région qui venaient en voiture pour venir à la messe. Et le Père Michel. Comment ? C'était quand ça ? Quelle date ? Je suis arrivé le 14 août. Le 14 août, ou l'année dernière. La veille de la fête de l'Ascension. Exactement. Donc, on était arrivé à la messe et de là, on a déjeuné tout de suite. J'avais apporté au Père Michel je lui ai acheté une grande statuette en bronze de Saint-Michel-Archange, qu'il a tout de suite béni et qu'il m'a remercié et on a commencé à parler. Là, ça a été un défoulement c'était merveilleux parce que pour tout vous dire, j'écoutais en essayant de suivre les conseils du Père, de l'abbé Laurentin, de Monseigneur Laurentin. Et il commençait à m'expliquer, il avait tout de suite compris, n'est-ce pas, quelles étaient mes préoccupations. Il m'a dit, justement, Xavier, je vais vous présenter à mes quatre frères, les quatre moines. Et demain, nous aurons une autre messe et je vous présenterai certaines personnes qui étaient présentes lors de la messe du 28 décembre dernier. Mm-hmm. Donc, cela a fut fait. Tout de suite, j'ai rencontré le frère Philippe et le bras droit. C'est l'aide de camp, vous pourriez dire, du Père Michel qui m'a expliqué ce qui s'était passé. Bien que parfois, il m'a parlé aussi avec un très franc parler en me disant, vous savez, le Père Michel est un... Moi, j'ai mené ma vie sur la base de sa mission. Mais vous savez, c'est un être humain. Il met son pantalon avec une jambe à la fois, comme tout le monde. Mais parfois, il fait des erreurs et je le corrige et il est premier à rire. Mais dans ce cas-là, je peux vous donner témoignage personnel qu'effectivement, après cette messe-là, il avait dit effectivement ce qui s'était passé. On en était tous bouleversés parce que c'était dans 3 jours. Et moi, j'avais eu très, très peur quand il avait annoncé ça en public que si pour X raisons, cela ne se passait, c'était toute la crédibilité, la belligérance du Père Michel qui tombait à plat. J'avais très, très peur, n'est-ce pas? Surtout qu'il n'y avait pas le moindre indice encore que le pape Benoît XVI était sur son chevet de mort. Il n'y avait aucun indice de cela. Personne, s'il y en avait, personne n'en parlait. Bon, le lendemain, j'ai rencontré certains de ces fidèles laïcs qui étaient présents, qui avaient assisté à cette messe. Et beaucoup de personnes, beaucoup de couples, des gens âgés en général. Je crois qu'il y avait un couple qui avait peut-être dans sa quarantaine qui m'avait confirmé la chose aussi. Mais je n'oublierai jamais cette dame âgée, charmante. Ça me faisait penser à la Normandie, une petite dame que je connaissais en Normandie qui me disait « Ah oui, oui, absolument, je me rappelle. Vous savez, Monsieur Héral, elle nous avait dit ça. » Et je me suis dit « Oh, oh !» J'en ris encore. « Mais mon père, comment pouvez-vous dire une chose pareille ?» Et je dis « Mais non, mais calmez-vous, tranquillisez-vous. Le père savait ce qu'il fait. Il a investi toute sa foi dans cette révélation qu'il a reçue de notre Seigneur. » C'était tellement charmant, tellement bon enfant, Cyril, que je ne pouvais pas m'empêcher de rire. C'était tellement charmant. Vous avez très bon talent d'imitateur, vous le savez. Hein, si jamais vos livres ne se vendent plus, vous savez quoi faire. Ouais, j'ai un autre job qui m'attend. Mais écoutez, j'ai fait ça tant de fois. Je suis passé à la télévision tant de fois depuis un an et demi avec toutes ces promotions pour les messages de la Vierge Marie que je suis un vétéran. Plus rien ne m'intimide. Je me sens à l'aise. Donc, et surtout ici en France, en français, imaginez-vous, je suis de retour chez moi avec votre émission. Je me sens à l'aise. J'espère que je fais bien d'enlever les gants blancs avec vous. Donc, voilà ce qui s'était passé. Je suis rentré au bout d'une semaine avec le cœur rempli de joie et
j'en avais maintenant le cœur net. Je savais qu'il n'y avait pas d'exagération et que ce qui s'était passé, s'était effectivement passé. Je vous ai dit avant le début de notre émission ici, qu'il y a 2 jours de cela avant-hier, c'était ça. Avant-hier, c'était jeudi soir, si je ne me trompe. J'étais invité par une chaîne de télévision colombienne qui voulait aussi, parce que j'ai beaucoup propagé les messages du Père Michel, la même histoire que je viens de vous raconter, je l'ai faite. Je l'ai raconté en espagnol, en anglais, partout, pour ceux qui étaient disposés à tendre l'oreille. Donc, maintenant, ça fait comme un véritable feu de bois. Et finalement, l'honneur du Père Michel est finalement, j'ose dire, restauré. Il n'y a que ceux qui se baissent pour des raisons que je ne comprends pas, qui continuent, ou pour fierté mal placée, qui continuent à procéder dans cette avenue. Mais cette chaîne colombienne m'a invité. Supposément, c'était pour une interview d'une heure, n'est-ce pas? Cela, il ne me lâchait pas. Il n'avait pas lâché prise. Oh, c'est formidable. Écoutez, Xavier, pas question. Vous vous changez de chemise. On va faire maintenant une interview en direct avec Facebook. Changer de chemise, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il donne l'impression que vous allez d'un coin à l'autre. On a des plans pour vous. J'ai comment des plans pour vous? Vous m'avez donné rendez-vous pour une heure. Mais non, oui, mais enfin, vous savez, je me sens inspiré. Non, vous changez de chemise tout de suite, mettez-vous un polo et un Lacoste, ce que vous voulez, mais on va à Facebook. 79 000 personnes vous attendent. Quoi? Bon, je me suis dit, bon, écoute, à la grâce de Dieu. Aïe, caramba! Exactement. À la guerre comme à la guerre, comme on dit chez nous, mon bon ami. Donc, je me suis rapidement monté. Et ma femme qui me voyait me déshabiller me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Quel genre d'émission est-ce que t'es-tu engagé? Je dis, mais je t'en prie, arrête. Simplement, je lui ai expliqué rapidement pendant que je me changeais. Je suis revenu devant l'écran et on a fait environ une autre heure devant Facebook, devant 79 000 personnes en direct, en espagnol. J'ai tout expliqué, c'est merveilleux. Génial. Puis, non, c'est pas fini. Il m'a dit, maintenant, on va faire un podcast. Comment un podcast? Oui, allez-vous changer de suite. Il faut qu'on prépare un enregistrement. Ça passera demain. Bon sang. Excellent. Je me suis dit, bon, d'accord. Allons-y. Alors, c'est reparti pour un tour. Et je me suis rechangé. Je suis revenu. Ma femme qui me regarde comme ça. Et sans comprendre, je me réassis devant la caméra et je recommence à me répéter exactement le même discours de tout à l'heure. Puis finalement, j'avais un autre rendez-vous avec une autre chaîne, podcast qui a 800 000 viewers, téléspectateurs, wow. Subscribers, non? Abonnez-vous, comme on dit en France. Et là, il fallait recommencer. C'était au nouveau sujet du Père Michel. 2 heures, paf, tout ce que je vous ai dit, je l'ai raconté, mais version espagnole, j'étais claqué. J'étais vraiment mort, 6 heures d'affilée. Mais je me suis couché, je me suis endormi comme une pierre, mais avec un formidable sentiment de satisfaction de m'être battu pour la liberté. Ça n'a rien à voir pour moi. Je suis vrai, c'est pas de la fausse modestie. On parle entre nous. Je suis insignifiant dans cette histoire. Ce qui est bien, c'est que l'honneur d'un homme juste a été défendu et que les propos qu'il a tenus concernant la foi, ce qui est véritablement entre vous et moi, Cyril, la chose la plus importante, a gagné. Parce que j'avais une dent contre les forces du mal, vous savez. Ils voulaient l'écraser, ils ont failli réussir. Et quand j'ai rencontré l'abbé Laurentin, le Père Michel, quand je l'ai finalement rencontré au téléphone, ce jour d'avril de l'année dernière, mon ami, il était totalement seul, abandonné. Mm-hmm. Je parle sur terre, pas par le ciel. Ce que, en soi, c'était merveilleux, mais il était seul, mais seul. Finalement, on s'est lancé et les choses, vous savez, il y a autre chose que l'abbé Laurentin me disait. Parce qu'à un moment donné, je parlais avec lui sur un certain lieu d'apparition auquel il restait, on va dire, agnostique, Garabandal. Et moi, j'y croyais, principalement pour une simple raison. Le père Saint Padre Pio avait donné son appui et son aval et avait même écrit 2 lettres aux enfants de Garabandal, dont j'ai une copie en photographie ici en italien avec la traduction en anglais, en espagnol et bientôt en français. Et pour moi, je lui disais, mon père, comment pouvez-vous être agnostique? Enfin, c'est extraordinaire ce cas-là. J'avais 25 et quelques années, donc j'ai l'excuse de la jeunesse pour oser débattre avec l'abbé Laurentin. Mais il comprenait, il avait une grande indulgence envers moi. Beaucoup d'estime mutuelle pour plusieurs raisons, mais c'est une autre affaire. Et il me disait, vous savez, Xavier, je vais vous dire ceci. Dans tous les lieux d'apparition, nous devons les approcher, je dirais presque même avec hostilité. Car tout ce qui vient de Dieu, n'est-ce pas, toute œuvre de Dieu que Dieu veut voir à la lumière du jour,
arrivera à ses fins. Il n'y a pas d'homme ni d'ange qui réussira à défaire ses plans. Non? C'est pour ça que nous nous devons d'attaquer cela avec hostilité. La raison pourquoi je fais mention de cette anecdote, c'est que la même chose a eu lieu avec l'abbé, avec le père Michel Rodrigue. Si ça vient de Dieu, il n'y a rien qui puisse empêcher, il n'y a pas de rouerie du diable qui puisse couler ou torpiller des projets qui ont été tout premièrement établis par Dieu ou par le ciel, ce qui revient au même, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, en dépit d'un plan qui avait été très bien mené, une campagne très astute, n'est-ce pas? En dépit de tout cela, et avec toute l'intelligence du diable, le père Michel est arrivé et on s'en est sorti haut la main. Je ne devrais pas dire le père Michel. Dieu, à travers le père Michel, s'en est sorti haut la main. Donc, de faire partie de ces milieux, comme disait mon épouse, vous savez, dans toute guerre, il y a des batailles. Il faut faire face à cela. Mais maintenant, j'ai compris, après avoir connu le père Michel, pourquoi il est toujours si jovial. L'humour, la bonne humeur, la foi, la tranquillité, c'est un outil de travail extraordinaire. C'est très thérapeutique. C'est pour ça que je me permets avec vous de me sentir à l'aise, d'être à la maison, de parler avec vous et avec devant vos téléspectateurs, comme si on avait tous le même nom de famille. Je me sens à l'aise. Et d'utiliser l'humour est un bon système pour défaire les projets Nous sommes de connivence. Nous sommes de connivence. L'humour, c'est mon deuxième prénom. Mais c'est vrai qu'avec cette chaîne, c'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup plus que ça, et tant mieux de pouvoir le faire ensemble. J'ai une question qui me vient, vous alliez peut-être en parler, mais je vous la pose quand même. Où s'en est avec son évêque, puisqu'il a écrit une lettre pour le répudier, ça va être quoi le terme, pour le dénoncer ou dire on ne croit pas, on n'est pas d'accord avec ses prophéties. Cancel, comment on va dire en français? Il a été annulé? Non, il n'a pas été annulé. D'ailleurs, je vous laisse parler. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec l'évêque et où on en est aujourd'hui? C'est une très bonne question. Ils se sont rencontrés tout dernièrement à l'amiable. Il n'y a pas eu de souci. J'ai moi-même, quand j'étais allé au Québec, j'ai appelé l'archevêché de Amos pour connaître quelle est la position formelle de l'archevêché de l'Église vis-à-vis du Père Michel et de son monastère. Alors, la réponse qui m'a été faite au téléphone était que le Father Michel is in good standing. Il parlait l'anglais incroyablement. Je ne comprends pas pourquoi, si on était au Québec, bon sang. Mais enfin, Padre Michel est en good standing. En good standing, en français, cela veut dire il est en position régulière. Tout va bien. Il est en position régulière vis-à-vis de l'archevêché et de l'Église catholique. L'archevêché reconnaît son monastère, mais l'évêque, effectivement, a écrit une lettre disant qu'il n'appuie pas et qu'il ne croit pas à titre personnel sur ses expériences mystiques. J'ai mis la lettre dans le lien de la première interview qu'on a fait la semaine dernière. Absolument. J'ai mis cette lettre. Et j'ai parlé avec un assistant de l'archevêque, en nous disant, oui, mais enfin, quelle est la position? Parce que les déclarations qui ont été faites ne portent pas particulièrement, ou ne semblent pas porter, le père Michel dans le cœur de l'évêque. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, écoutez, simplement, il n'y a pas eu d'investigation formelle qui a été faite, ni même informelle. Donc, il ne peut pas y avoir de condamnation contre le révérend père Michel. Au contraire, simplement, à l'archevêché, on a reçu des quantités innombrables d'appels téléphoniques des quatre coins du monde qui nous demandaient quelle était la position de l'archevêché. Alors, imaginez-vous, monsieur Héral, que nous sommes arrivés à un point de saturation. Alors, nous voulions mettre un holà à toutes ces histoires, et l'archevêque en avait assez aussi, de continuellement recevoir des lettres et des appels téléphoniques. Donc, il a écrit cette lettre pour arrêter ce tsunami de communication, parce qu'il en avait plus qu'assez. Et c'est pour ça qu'il a écrit cela. Mais d'aucune façon, l'archevêque a condamné ou a défroqué le père Michel, qui a la permission de continuer à donner la messe, qui a la permission de donner l'absolution à tous ceux qui la lui demandent, l'absolution de Dieu, qui continue ses activités religieuses comme si de rien n'était. Simplement, l'archevêque a fait une déclaration comme quoi la posture, la mission supposée du révérend Michel n'est pas formellement reconnue comme telle par l'archevêché de Amos. Ça ne veut pas dire que c'est une condamnation. Vous savez, la même chose pourrait être dite pour
Garabandal, même Medjugorje, ça n'a pas été condamné, ça n'a pas été approuvé non plus. Or, Medjugorje est aujourd'hui l'un des lieux de pèlerinage les plus grands au monde. Ça n'empêche pas cela. Et aujourd'hui, il est autorisé par l'Église catholique d'organiser des pèlerinages de paroisse. En ce qui concerne l'abbé, le père Michel Rodrigues, il est en parfait état, situation régulière, aussi bien avec l'archevêché qu'avec l'Église catholique. Point à la ligne. Voilà. Alors, je ne veux pas vous bousculer dans la chronologie de ce que vous aviez prévu, Xavier, mais je vous ai entendu dire, alors vous ne voulez peut-être pas en parler, et puis on se parle franchement, hein, comme on a dit, Xavier, mais je vous ai entendu dans une interview en anglais, oui, que vous aviez l'autorisation depuis peu de révéler un message du Père Michel. Je crois que c'était justement un Mother and Refuge. Bravo, Cyril. C'est pour ça qu'on chante des chansons à votre sujet, même de ce côté de l'Atlantique. J'ai bien bossé. Hein. J'ai le message ici sous les yeux. Et ce message, je vais vous expliquer les circonstances avant de vous le lire. D'accord ? Très bien. Je vais essayer d'être bref. Alors, avant que vous le fassiez, Xavier, je veux juste énumérer, j'étais en train de regarder là sur Internet, ce que vous avez évoqué par rapport à Garabandal. C'est vraiment très bref ce que je vais dire aux auditeurs. C'est le non constat des non supernaturalitate. Voilà, ça c'est la situation de Garabandal, c'est-à-dire qu'on ne c'est ni oui ni non en fait avec la situation, et ça viendrait du fait, mais ça on le sait depuis mon interview avec Glenn Hudson, qui est le responsable des messages de Garabandal. Cette responsabilité lui a été donnée par Joey Lamangino et Conchita. Et donc, ce nom de constat viendrait du fait que c'est Paul VI, Xavier, hein, je crois, qui a rencontré Conchita. Oui. Et comme Conchita a révélé à Paul VI et à un cardinal, je crois, ou peut-être pas, peut-être seulement Paul VI, en tout cas au vicaire. Et le cardinal Tobias. Voilà, du Christ, donc à l'Église, ils savent. Intramuros, quand est-ce que cette date, ce fameux secret? Donc, d'évidence, ils attendent de voir si ça se passe exactement comme ça a été révélé avant de confirmer que les apparitions sont bien validées. Je pense que ça vient de là, le non constat. Pour ce qui est de Medjugorje, il n'y a pas eu cette mention de non constat, mais c'est toujours à l'étude. Mais d'évidence, et je finirai là-dessus, tant qu'une apparition a lieu et qu'elle n'est pas terminée, c'est par prudence, l'Église ne se prononce pas, évidemment, c'est tellement logique. Voilà, je vous laisse la parole. Absolument, non, c'était important de le dire, vous avez bien fait. Où en étais-je? J'ai perdu le train. Ce fameux message que Père Michel vous autorise désormais à nous donner. Donc on l'attend de pied ferme et on est très heureux de vous entendre le dire, on vous écoute, on est tout ouïe. Taisez-vous, j'entends des auditeurs parler trop fort. Taisez-vous, s'il vous plaît. Soyons sages. Bon, ben, je vous explique d'abord les circonstances très rapidement avant de vous lire le message. Allez-y. Basé sur les messages et les prophéties de Marie-Julie Genis et de mes innombrables conversations que j'ai eues avec le Père Michel, j'avais décidé en fin de l'année dernière, en accord avec mon épouse, d'emmener nos deux enfants. Ce sont des teenagers maintenant, mais ils sont très innocents. J'ai un garçon qui s'appelle Marc, qui avait à peine 15 ans, venait d'avoir son anniversaire, mais très innocent, très jeune d'esprit. Et une jeune fille qui s'appelle Sylvie Marie, qui vient à peine à l'instant d'avoir 16 ans, de 17 ans. Elle avait 16 ans quand j'ai décidé de les emmener à Orlando, en Floride, vous savez, l'endroit où il y a Disney World, Universal. Nous n'aimons plus Disney World pour des raisons claires. Mais je les ai emmenés, j'ai décidé de leur offrir une petite vacance de luxe. On est allé dans un hôtel, resort hôtel, qui nous emmenait en bateau là-bas. Je voulais entendre mes enfants avoir ce qu'on appelle en anglais « belly laughs ». Je voulais les entendre rire comme des enfants et s'amuser comme des enfants. Et la raison pour cela, et je vous le révèle très honnêtement, parce que mon épouse et moi, nous ne sommes pas sûrs que nous ne pourrons jamais plus le faire. Pour ce qui va venir. J'en ai parlé au Père Michel. Je lui ai dit, écoutez, on va passer une semaine là-bas, peut-être
peut-être même plus, peut-être 10 jours. On va passer les fêtes de Nouvel An là-bas. On va aller à la messe là-bas. Mais je veux leur donner une très jolie mémoire à ce moment-là. Il m'a dit, Xavier, oui, de beaux souvenirs de vacances. Non, mm-hmm. Il m'a dit, Xavier, je vous comprends. Je suis d'accord avec vous. Vous avez raison. Il m'a dit, vous savez, j'aimerais beaucoup vous connaître votre famille. Est-ce que je peux me permettre de vous appeler? Peut-on faire une conférence Zoom le 1er janvier, le début de l'année, pour pouvoir vous donner ma bénédiction paternelle à vous, votre épouse et vos deux petits Wissiti de la jungle, comme vous les appelez? Génial. Et oui, je dis absolument, je serais ravi. Non, et j'étais très touché parce que le père Michel Rodrigue est extrêmement occupé. Il croise le fer tous les jours avec son emploi du temps, il n'a pas beaucoup de temps. C'était son idée. Donc, le 1er janvier, je réveille mes deux enfants en leur disant « Get up, monkeys, time to get up. Réveillez-vous, il est temps de vous coiffer. » Et je les bougeais avec le pied. « Allez, réveillez-vous, les Wissiti. » Ils se sont coiffés, ils se sont gonflés les dents. Et j'étais tout prêt, tout beau. Quand le père a téléphoné, puis il les a bénis, je les ai présentés. Et ensuite, il m'a dit à la fin, « Xavier, j'ai besoin de parler avec vous. » J'ai dit, « Oui, bien sûr, mon père, je suis à votre disposition. » Il m'a dit, « Écoutez, hier soir, figurez-vous, que Dieu le Père m'est apparu et effectivement, il m'a donné un message qui est supposé être public. Je vais vous le lire. » Il me l'a lu. Il m'a dit, « Je vais le faire traduire en anglais et en espagnol et en italien. Mais je vais vous le donner, je vous l'envoie tout de suite en français. Je vous demande de ne pas le publier avant le mois de février, pour des raisons qui sont siennes. On ne va pas en parler, ce n'est pas nécessaire, ça n'a pas d'importance. Okay. Mais au mois de février, vous pourrez le publier dans toutes les langues, dans tous les shows où vous apparaîtrez. Très, très bien. Je peux vous couper juste et vous poser une question avec c'est de la simple curiosité, mais je sais que les auditeurs l'ont aussi. Et oui. Si c'est de la curiosité mal placée, vous m'envoyez dans les roses, il n'y a aucun problème. Je sais que curious, je vous envoie mal, c'est quatre, mais je ne suis pas un charme. Alors, quand il dit Dieu le Père m'est apparu, est-ce qu'il vous a expliqué comment ça se passait, ça? Oui, il m'a dit que le visage de Dieu le Père est différent, évidemment, de celui de Jésus, mais quand l'on voit, il dit que c'est indescriptible, mais qu'on peut imaginer que c'est Jésus s'il aurait vieilli sur terre, n'est-ce pas? Mais que c'est majestique, majestueux. C'est un homme c'est le visage d'un homme qui a des yeux consumés d'une telle tendresse, de douceur. Vous savez, presque, c'est mélangé entre la douceur et la gentillesse et de tendresse, d'amour. Il avait beaucoup de mal à l'expliquer. Mais ça, une fois de plus, cela a un accent d'authenticité, n'est-ce pas? Et de gentillesse. Et il paraît que Dieu le Père a un sens de l'humour. Qu'il rit beaucoup et qu'il a un très grand sens de l'humour. Je crois que vous vous entendriez très bien avec lui. Mais je suis content d'avoir posé la question. Tout à fait. Donc, je vais vous lire le message. Allez-y. D'accord? Vous savez, on met beaucoup d'humour dans ces propos. C'est sain. Ça n'enlève aucunement la crédibilité de l'admonition qui nous est faite par le ciel et dont le sérieux ne peut pas être douté. N'est-ce pas? Donc, c'est simplement, il faut considérer tout cela comme une forme de thérapeutique plutôt, qui, merci. J'ai ma charmante épouse américaine, Lisa, qui vient de me préparer un café français. Pas du jus de parapluie américain, je tiens à le préciser. Vous m'excuserez pour un moment. Saluez-la de notre part. Toute l'équipe et tous les auditeurs la saluent. Merci à elle. Lisa, the host, Cyril is saying greetings to you with affection and all the French speakers. Voilà, c'est fait. Je vous remercie, c'est gentil comme tout. Donc, ce que je disais, c'est que nous parlons de choses qui sont d'une extrême gravité et où le sérieux doit revenir effectivement à sa place. Donc, il ne faut pas interpréter ou avoir la faiblesse d'esprit, d'interpréter de l'humour comme étant mal placé. C'est pas de la légèreté, ça n'empêche pas d'être sérieux et profond. Bien au contraire, d'ailleurs. Celui qui peut le plus, peut le moins, comme on dit en français. Absolument. Donc, je vais vous lire le texte en question. Écoute, on est tout oui. Je vais mettre mes lunettes de Mr. Magoo et je vais vous lire
le message en français. Voilà. Mes chers enfants, le temps que vous vivez maintenant est un don pour permettre à tous ceux qui sont de bonne volonté de célébrer la naissance de mon fils Jésus. J'ai ouvert pour vous cet espace afin de donner le réconfort à vos cœurs et de vous permettre de répondre par votre foi à l'amour de Jésus qui a pris chair pour vous sauver. En ce jour de la Sainte Famille, que soient bénies toutes les familles de la terre qui accueillent dans l'espérance mon Fils bien-aimé. Prenez la Sainte Famille en votre demeure. Elle seule vous protégera en ces temps qui viennent. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit, le châtiment s'arrêtera pour les maisons et les foyers où la Sainte Famille est exposée et priée avec respect. Oui, l'amour de mon Fils qui a souffert pour vous, né de la pureté virginale de ma fille Marie et protégé par l'amour très pur et puissant de Joseph, juste et loyal, est votre protection. Tenez votre cœur prêt et éveillez-vous. Ayez ce que vous avez besoin pour nourrir votre corps et le soigner avec les remèdes que j'ai déjà donnés à plusieurs de mes saints pour vous protéger. Utilisez régulièrement l'eau bénite pour chasser les mauvais anges qui rôdent près de vos demeures. Ce n'est pas pour rien que le dernier jour de cette année a lieu en la fête de la Sainte Famille. Elle est le signe pour vous rappeler tout ce que je vous ai déjà dit. Elle est le signe de votre protection. Ce n'est pas en vain que l'Église célèbre la maternité de Marie, mère de mon fils Jésus au premier jour de l'an, car en ce temps qui est le vôtre, son cœur immaculé triomphera. Cette année, qui commencera demain, est une année de foi pure. Tous les signes ont été donnés. L'apôtre Jean en a soulevé le voile. Aveuglés sont ceux qui ne croient pas, sourds ceux qui n'entendent pas, et muets sont les tièdes. L'esprit d'amorose spirituelle envahit l'humanité. Il n'y a plus de vision, plus de compréhension, plus de sens. L'humanité ne voit pas ce qui vient. Mes enfants ne seront pas atteints de cette noirceur. Les événements parleront d'eux-mêmes. Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu. Oui, consacrez-vous à ma famille très sainte, à Jésus, mon fils, à Marie, sa mère et ma fille, à Joseph, mon fils, que Jésus a appelé Père sur la terre. Consacrez-vous pour la fidélité de mon Église. Tout s'accomplira et pas un iota de ce que mon fils Jésus a enseigné et que l'Église a déclaré solennellement ne sera perdu. Amen. Votre Père Céleste qui vous aime. Message donné par le Père Céleste, au Révérend Père Michel Rodrigue, le 31 décembre 2023. Voilà. Amen. Merci Xavier d'avoir partagé ce beau message. Il est profond et bouleversant de simplicité et de grâce. On le sent. Hein. Ah, tout à fait. Je voudrais faire certaines remarques concernant ce message qui sont très importantes. Très importantes. Je vous écoute. Entre autres, vous avez observé le fait que dans ce message, il est dit que le refuge, le salut des gens, la protection des gens viendrait à travers la Sainte Famille. Il n'est pas inodin ou ce n'est pas une coïncidence le fait que j'ai mis comme image derrière moi une peinture de la Sainte Famille. Dit-on en France la Sainte Famille ou la Famille Sainte ? La Sainte Famille. La Sainte Famille, exactement. Mm. Donc, car, entre autres, et maintenant on va entrer dans les prophéties, les instructions du ciel pour ce qui va venir et comment se préparer, n'est-ce pas ? Mais entre autres, il est dit, plutôt le ciel a informé, a instruit le Père Michel et lui a recommandé de dire aux fidèles ou d'inviter aux fidèles d'avoir dans leur foyer ou bien une représentation de la Sainte Famille, que ce soit une peinture, une image, des statuettes, des figurines représentant la Sainte Famille, de tout faire bénir par un prêtre et de le placer dans un lieu d'honneur du foyer.
que cela agira comme un paratonnerre de la juste colère et de la justice de Dieu sur la terre, le moment venu. C'est-à-dire qu'il est promis que tous les foyers qui emploieront cette image ou cette représentation auront leur foyer et toute personne et tous les biens à l'intérieur protégés. Mais tous ceux qui le font du cœur et avec foi et qui prient devant ces images avec respect. Mmh. N'est-ce pas? Aujourd'hui, moi, dans mon salon, qui fait face à l'entrée principale de mon foyer, mon épouse et moi, nous avons acheté une grande statuette de la Sainte Famille, de la Vierge Marie, en train de porter l'enfant Jésus avec Saint Joseph à son côté. Et autour de leur cou, nous avons placé le scapulaire mauve qui a été rapporté par Marie-Julie Jeannie. Tout a été béni par un prêtre catholique. Je vous invite à en faire de même. D'accord? Donc, maintenant, si vous voulez, nous allons passer aux messages, aux prophéties et aux invitations du ciel pour se protéger. Très bien, on vous écoute. D'accord. Oui. Le Père Michel, concernant les prophéties sur ce qui va se précipiter. Avant d'avoir quitté le monastère au mois d'août de l'année dernière, le Père Michel m'avait demandé de venir dans son bureau pour me faire part de certains événements qui sont supposés avoir lieu très prochainement. Entre autres, il m'avait annoncé que Dieu le Père lui avait révélé que le début des tribulations commencerait au mois d'octobre de 2023, dans la même année. Mm-hmm. Or, que s'est-il passé au mois d'octobre de 2023? Oui. Nous le savons tous. Mm-hmm. L'attaque de Hamas et de Hezbollah sur l'Israël. Une attaque qui a été dévastatrice et dont les conséquences, nous les voyons tous les jours sur nos postes de télévision. Sans précédent, oui. C'est absolument incroyable, absolument. Le Père Michel a annoncé aussi que l'année 2024 verrait un énorme bouleversement entre le jour où je quitterai le monastère jusqu'à décembre 2024 et qu'il fallait se préparer en accord à cela. Le Père Michel a annoncé, tout à fait comme Conchita González de Garabandal et aussi comme Marie-Julie Jeannie j'en ai trouvé que deux lignes dans un très bref paragraphe où elle parle de l'illumination de conscience, the warning in English. L'avertissement en français, el aviso en castellano. Oui. Ce serait un cas, et le Père Michel a confirmé cela. Dieu le Père lui aurait dit qu'effectivement, ce serait un événement, le dernier événement démontrant la justice divine de Dieu sur toute l'humanité. Quand il dit toute l'humanité, cela veut dire littéralement sur chaque homme, femme et enfant qui ont l'âge de raison, qui vivent dans ce monde. Qu'ils soient juifs, musulmans, athées, agnostiques, catholiques, protestants, c'est nonobstant de son credo, chaque personne passera par cette expérience où ces mêmes personnes verront l'état de leur âme en toute honnêteté, exactement comme Dieu lui-même la voit. C'est-à-dire que chaque personne pourra être en mesure de voir et de constater tout le mal qu'il aura fait au cours de sa vie et tout le bien qu'il aura failli de faire quand l'opportunité se présenta. De plus, à qui le dites-vous? De plus, il lui fut dit que chaque personne qui passera par cette expérience en question saura de suite s'il venait à mourir sur le champ où le jugement final les mènerait, exactement, ou bien au paradis, ou au purgatoire, ou en enfer. Le Père Michel a clairement expliqué que les états de lieu que sont le paradis et l'enfer sont éternels. Le purgatoire, par contre, est temporaire, c'est-à-dire que toute personne sans exception, qui est lancée, ou qui va directement au purgatoire, un jour, ce sont des âmes bénies, car ce sont ces âmes-là qui, à un moment donné, une fois purifiées, seront dignes d'aller au paradis. Il n'y en aura pas une seule. Au purgatoire, c'est que tu es sauvé, oui. Exactement. Mais le Père Michel, il lui a été révélé effectivement qu'il y a plusieurs niveaux au purgatoire. Il y a ce qui s'appelle les feux du purgatoire, qui sont tout proches de l'enfer. Il est même permis, dans certains lieux tout proches de l'enfer, à certains démons de martyrisés physiquement, je ne sais pas comment ça se passe, mais certaines âmes qui sont là
en forme de purification. Mais qu'il y a également plusieurs stages, dont un qui est tout proche du ciel. Et il ne suffit que de faire un paternoster ou un Ave Maria ou un chapelet pour libérer les âmes qui sont dans ce stage-là. C'est pour ça qu'il est demandé à toute personne de prier pour les membres de sa famille qui sont défunts, pour la libération de leur âme qui pourrait être éventuellement au purgatoire. Et s'ils sont déjà au paradis, ces mêmes prières, ces mêmes messes seraient utilisées to good use, c'est-à-dire bonne utilisation. Et n'hésitez pas à offrir des messes, hein. J'en profite pour placer ça là. Il n'y a pas mieux comme prière qu'offrir une messe. Bien sûr, ça peut coûter un peu d'argent et voilà, on a tous des budgets, un budget, donc à prendre en compte évidemment, mais l'idéal, c'est la messe. Il n'y a pas mieux comme prière qu'offrir une messe pour un défunt ou un ami ou une personne de son choix. Absolument, c'est la messe, c'est la prière ultime, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, il y aura des gens qui verront qu'ils seront en choc et qui verront qu'effectivement, nombre d'entre elles termineraient en enfer, à leur grande surprise. Ce sera une dernière chance pour les êtres humains de réaliser, premièrement, qu'il y a effectivement une notion telle que celle que d'avoir un Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et qu'il a un Fils qui s'appelle Jésus-Christ, et que l'Église qu'il fonda sur Saint-Pierre est l'Église, l'unique seule Église qui fut fondée par le Christ. C'est l'Église du Christ. J'ai beaucoup de respect pour toutes les autres églises protestantes, n'est-ce pas? Car elles sont admirables. En beaucoup d'occasions, j'ai pu voir la fidélité, l'engagement de nos frères chrétiens qui ne sont pas catholiques. Mais je voudrais tout de même attirer votre attention sur le fait suivant. La seule Église chrétienne qui a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ était celle qu'il a fondée sur Saint-Pierre, l'Église catholique, romaine et apostolique. Amen. Le Christ a été clair. Tu es Pierre et sur cette pierre, je construirai mon Église. Les calvinistes ont été fondés par ce brave Suisse, Calvin, n'est-ce pas? Un pécheur. Les luthériens ont été... Oui. C'est une Église fondée par Luther, un pécheur. Les anglicans, ce sont des... C'est une église qui a été fondée par un pécheur, un grand pécheur, et en plus ça part en anglais, ce qui est le comble, Henri VIII, non? Etc., etc., etc. La question qu'il faut se poser, quand le Christ a fondé son église sur Pierre, s'est-il trompé? Ne pouvait-il pas prévoir le futur? Que l'église catholique, en dépit du fait que parfois nous avons eu des antipapes, oui, d'innombrables pécheurs, mais le grand miracle de notre foi, de notre Église, est qu'un dogme de la foi qui est absolument parfait et infaillible a survécu 20 siècles d'imperfection humaine. Cela est effectivement le grand miracle de notre Église. Le Christ ne peut pas s'être trompé. Et d'aller Winston ailleurs, Churchill disait, pardon de vous couper, mais Winston Churchill disait à juste titre, « Je connais bien les hommes et je connais bien leurs institutions. » Si l'Église catholique est encore debout après 2000 ans, c'est que ce n'est pas un homme qui est derrière. Pour un Anglais, de dire cela, chapeau. Excusez-moi, je fais beaucoup de plaisanteries sur le dos des Anglais. Je suis anglophile, pas anglophobe, mais je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Vous savez, j'ai plus de 1000 ans en France, donc je n'oublie pas. Donc, mais avec une pointe d'humour. Sur ce... donc c'est ce que cela a été la révélation qui fut faite au Père Michel. Donc à ce moment-là, après cette expérience extraordinaire, l'immense majorité, toute l'humanité va être en choc. Et innombrables seront les lignes de fidèles et de non-catholiques. Exactement, des files d'attente qui demanderont à un prêtre, un moine, un religieux de bien vouloir écouter leur confession. Et de demander le processus pour se convertir au catholicisme. Ce sera un moment qui durera, en accord à ce que nous dit le Père Michel, environ 42 jours. Ce sera 6 semaines. Ça corrobore avec Garabandal, hein, c'est ce que dit aussi Garabandal, les 6 semaines où arrêtez-moi si je dis une bêtise, où le diable sera enchaîné. En tout cas, il n'aura plus de force pendant ces 42 jours, hein, c'est ça. Donc, ça va nous permettre vraiment un discernement profond et une conversion profonde si on en a le désir.
en fait. Absolument. Le Père Michel dit que le diable, effectivement, aura les poings liés pendant ces six semaines. Et cela ne voudra aucunement dire que les gens n'auront pas la liberté de choisir entre faire le bien et faire le mal. Cela voudra dire que tous les processus, tous les moyens, les tentations, tout ça, ça sera banni. Oui et non, mais tous les instruments du diable seront interdits. Mais l'homme restera libre de choisir entre le bien et le mal. Mm-hmm. Sa liberté ne sera point touchée. Bon. Mais la Vierge Marie en parle, la Gospa en parle, la Medjugorje aussi, ça me revient, alors les détails m'échappent, mais il y a eu un jour, je crois que c'est le jour de la révélation de son anniversaire qui serait le 5 août, la date de naissance de la Vierge Marie, où elle révèle ça à Mariana, je crois, et il y a eu un jour où, je ne sais plus pour quelle raison, le monde a fait l'expérience de cet état où le diable ne pouvait rien faire ce jour-là. Et en effet, elle a fait référence à l'avertissement qu'allait venir, où ça serait ça pendant six semaines. Oui, effectivement. Ce sera six semaines. Le Père Michel l'a confirmé. Mais au bout des six semaines, le Père Michel invite les gens à mettre de côté leur laptop. On dit laptop en français aussi, les ordinateurs portables. L'ordinateur portable, oui. Oui, le laptop, les téléphones portables, tablettes, tous les systèmes de technologie, y compris le téléviseur. Car à ce moment-là, ce sera le moment où le diable sera déchaîné. Et il sera très croyable et très effectif, très efficace. Dans le sens que, à ce moment-là, les communautés internationales, scientifiques, déclarons avec évidence à l'appui qu'effectivement, pendant ces six semaines, il y aura eu des tempêtes solaires d'une vélocité jamais observée dans l'histoire humaine auparavant. Et que ces tempêtes solaires, non seulement auront endommagé grand nombre de satellites autour du globe, mais auront causé une hallucination collective autour de la planète. Mmh. Et que cela a été la raison pour cette expérience que l'humanité aura ressentie. Ils tenteront de dénigrer cet avertissement et le grand miracle avec des raisons plus ou moins scientifiques, des mensonges tout simplement. Et donc les appareils numériques, c'est-à-dire les télévisions, les portables ordinateurs, nos téléphones, oui, nos tablettes, la télévision, faudra éviter parce que nous pourrions être pseudo-hypnotisés par le malin. Oui, et aussi pour éviter d'écouter toutes ces roueries, parce que ce sont des roueries, des mensonges. D'accord. Enfin, il y aura beaucoup de vérités, mais dans beaucoup de vérités se cache un grand mensonge. C'est le Père Michel qui demande à ne pas faire ça ou c'est Dieu le Père qui lui a dit de dire ? C'est le Père Michel qui demande de faire cela. D'accord. Donc, à ce moment-là, je regrette de le dire, mais la majorité des gens préféreront suivre cette explication pour pouvoir continuer et justifier, encore une fois, l'injustifiable, une vie injustifiée. Donc, cependant, ceux qui maintiendront leur foi ferme dans les saints sacrements, dans l'Église catholique, dans la prière, dans la conversion de leur vie, n'est-ce pas ? Ces gens-là seront appelés, à un moment donné, tous ceux qui auront dit oui au Christ, en fait. Le Père Michel a été très clair, ce n'est pas sujet d'interprétation. Tous ceux qui, en dépit de ces révélations pseudo-scientifiques, maintiendront leur foi ferme, seront appelés, à un moment donné, à joindre tout de suite des points de refuge pour éviter, pour se protéger du conflit mondial, pour se protéger du châtiment qui est supposé arriver et tomber sur la terre, dont entre autres de grandes maladies dont l'art médical humain ne trouvera aucune réponse, n'est-ce pas ? Et simplement pour se réfugier. Immédiatement après ces six semaines, il semblerait que chaque personne recevra un message à travers je suis en train en ce moment incroyablement de traduire mon anglais au français. Ben oui, mais c'est normal. Vous êtes en train de parler l'espagnol, l'anglais, ensuite un peu l'italien, et là le français, c'est normal. C'est normal. Oui, mais j'ai la tête carrée, donc soyez indulgents avec moi. Nous le sommes. Chaque personne aura son ange gardien, manifestera auprès de lui pour lui faire comprendre qu'ou bien il doit rester dans sa maison, qui entre autres sera appelé à être consacré au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé de Marie,
comme un refuge permanent. Il y a deux types de refuges aujourd'hui. Bon, oui, il y a les refuges qui sont provisoires et il y a les refuges qui sont permanents. J'en reviens. Donc, à ce moment-là, tout de suite après cette nouvelle Pentecôte universelle, comme l'appelle le Père Michel, l'avertissement, chaque personne verra comme une petite flamme qui apparaîtra devant eux et qui leur fera comprendre d'une façon ou d'une autre, si elle se place au-dessus de leur tête, ce sera une façon pour faire comprendre à la personne en question de rester dans son foyer qui deviendra de facto un refuge permanent. D'accord, la petite flamme fait penser à la Pentecôte, là, pour le coup. Exactement. Mm-hmm. Donc, il n'y a rien de ridicule à penser que c'est une... Non. Pour être vulgaire, il ne faut pas penser que c'est une foutaise. Cela ne l'est point. Cela s'est déjà vu dans la Bible, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament. Mais si cette petite flamme vous mène ailleurs, il faut la suivre. Cette flamme vous mènera vers un autre refuge plus grand et plus sûr. Très bien. Puis, une fois que toutes les personnes auront atteint leur destination, ce sera là où tout va être lâché. Alors, je fais une petite parenthèse là. Moi qui connais un peu aussi donc le monde de l'autre côté de l'Atlantique, pour y avoir vécu et puis pour avoir vécu, oui, une vingtaine d'années de prophéties et d'avertissements de l'autre côté, puisque je vivais aux États-Unis et aux Caraïbes en ce temps-là. Je me suis rendu compte en revenant sur le continent français, donc mon pays natal, que les refuges pouvaient aussi concerner, et je vais y revenir par rapport à l'Ouest, mais c'était plutôt quand même les États-Unis et le Canada, hein, les refuges, enfin en tout cas en majeure partie. Puisqu'en France, il est assez explicite à travers Marie-Julie Janney, dont nous parlerons dans la prochaine émission, mais j'y reviendrai tout à l'heure en fin d'émission, et avec Alois Hollmeyer aussi, que c'est bien l'Ouest, il y a le Père Pell aussi, il y en a d'ailleurs tout le monde, j'ai l'impression, qui tire un trait de Lille à Bordeaux, et que tout ce qui est à droite allait être brûlé et détruit, et qu'il fallait plutôt se diriger vers la gauche, notamment la Bretagne. C'est dans mon livre, donc, tout ça aussi. Voilà. Les refuges, donc, c'est là que je voulais en venir, pardon, Xavier, c'est que par rapport aux refuges, et pour nous, pour la France, pardon, la France hexagonale, c'est ça, les refuges, c'est l'Ouest, en fait. Hein. Mais c'est, il y aura cette idée de la flamme qu'il va falloir suivre aussi en France. Oui, les refuges pour notre pays, pour notre patrie, pour notre foyer, ça va être principalement la Bretagne centrale, aussi Sainte-Anne-Dorée, partie de la Vendée, partie de la Normandie. Ce sera effectivement toute la côte atlantique, mais principalement la Bretagne centrale, la Bretagne du Sud. Il faut éviter la Bretagne du Nord, la Vendée, qui est une région historique, où il ne faut jamais oublier l'inoubliable, et évidemment une partie de la Normandie. Donc, vous avez parfaitement raison. Pour en revenir à nos moutons concernant le Père Michel, cette flamme donc mènera tous les fidèles, tous ceux qui auront maintenu leur foi ferme en le Christ et dans l'Église catholique, ils iront se réfugier dans un endroit sûr. Concernant les refuges en dehors des États-Unis et du Canada, il y en a aussi quelques, j'en connais beaucoup, qui existent d'ores et déjà en Amérique centrale, en Amérique latine. J'en connais pas mal. Le Père Michel a organisé au mois de septembre de l'année dernière une conférence téléphonique Zoom, et on a réussi à trouver grand nombre de chefs de refuges aux États-Unis et au Canada. Il y a l'étranger, même il y avait un monsieur qui était le chef d'un capitaine de refuge en Pologne et en Irlande qui était présent. Donc ces gens-là étaient là et le Père Michel avait commencé des propos. Donc je vous prie de m'excuser, je n'ai pas le droit de révéler ici, non. Mais ce que je peux vous dire, c'est ceci. Il faut surtout, le moment venu, et je vais vous parler plus en détail des prophéties, maintenir son sang-froid. Garder la tête très froide. Le Père Michel nous a expliqué que Dieu le Père lui aurait dit que tout sentiment de peur, d'angoisse, de préoccupation n'est guère inspiré par Dieu. Ce sont des sentiments qui sont inspirés par l'ennemi de Dieu. L'agitation, oui. L'agitation, l'angoisse. Mm-hmm. Et qu'en fait, il faut placer tout son stock, toute sa foi au pied de la croix en totale et complète assurance de savoir que Dieu vous protégera si vous lui demandez de vous protéger, de vous prendre dans ses bras. Amen. Je sais que ça semble très bon enfant, mais je vais vous dire une chose. Le Christ a été très clair. Le royaume des dieux appartient à ceux qui sont semblables à ceux-ci, aux enfants.
C'est un sujet très difficile à aborder parce que Jésus, j'ai confiance en toi, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Ça a oui. été révélé à je ne sais plus quel saint, c'est un Italien, je crois, j'oublie son nom, mais les auditeurs vont, certains vont savoir de quoi je parle. Jésus, j'ai confiance en toi, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Ah oui, absolument. Je sais qui a dit cela. Et il y a aussi la sœur Faustina, Cracow, Oui, en Pologne. oui j'ai mélangé un peu les deux, là, en effet, c'est ça. Non, mais c'est bien. C'est tout à fait à propos. Tout Donc, à fait. le Père Michel donc, a annoncé ceci. Toute personne qui accepte, après toute personne, pas quelques personnes, qui accepte, qui continue à maintenir leur foi ferme en Dieu, en Jésus-Christ et en l'Église catholique, après la révélation pseudo-scientifique, après les 42 jours, seront menés à bon port. Il faut simplement maintenir sa foi. La préparation et votre protection, entre autres, je vous ai donné ici derrière moi un exemple. Maintenez dans vos foyers une image de la Sainte Famille, car le Père Michel a expliqué que le sens même, la définition de la famille aujourd'hui est sous haute attaque par l'ennemi de Dieu. On peut le voir aujourd'hui par les infiltrations LGBTQ, les lobbies qui ont infiltré aujourd'hui le Saint-Siège, le Vatican, n'est-ce pas? Ah oui. Vous n'avez qu'à voir l'admirable Père James de Society of Jesus qui essaie de pousser par tous les moyens, par A plus B, les mouvements homosexuels à l'intérieur de leur reconnaissance officielle. Moi, il est mal connu en France, mais c'est plutôt du côté américain, en effet. Mais je vois très bien de quoi vous voulez parler, oui. Exactement. Il y a des lobbies. Dans le dernier livre de Benoît XVI, il y a des lobbies. On apprend. Post-mortem, il a donné l'autorisation de publier son livre. Qu'est-ce que c'est d'être chrétien, je crois, le titre. Il dévoile, notre pape Benoît XVI dévoile qu'il y a des lobbies gays dans les séminaires, notamment en Allemagne. Mais il y a un gros lobby, en effet, LGBT et woke dans l'Église qui est terrible, qui fait un mal d'abord à eux-mêmes, puisque... Ils se leurrent, les pauvres, mais qui fait du mal à l'Église et donc, oui, à la création et à la créature. Non seulement LGBTQ, mais aussi les loges franc-maçonnes. J'ai connu en France d'innombrables évêques qui se disent ouvertement membres de telle ou telle loge maçonnique. Il faut bien comprendre que la franc-maçonnerie a été condamnée depuis 1717, l'année de sa création en Écosse. Elle a été condamnée pas moins que 25 fois entre 1717 et aujourd'hui, et pas moins de 3 fois seulement par sa sainteté le pape Jean-Paul II. Oui. Ces gens-là se jurent être l'ennemi juré de l'Église catholique, romaine et apostolique. Il n'y a pas de négociation avec ces gens-là, sauf s'ils décident eux-mêmes de se convertir et de renoncer à leur croyance d'antan. Mais il ne faut pas non plus être aveugle, sourd ou muet. Il faut dire la vérité pour ce qu'elle est. Et aujourd'hui, le Vatican est principalement infiltré par des francs-maçons de toutes sortes et par des lobbies qui sont tout à fait anticatholiques. Le fameux cardinal Fernandez, non? Bon, ça, c'est Victor Emmanuel Fernandez de Dicaster, le chef du Dicaster. C'est le préfet de la congrégation de la doctrine de la foi aujourd'hui. Voilà, c'est le plus haut poste aujourd'hui qui existe après le pontificat au Saint-Siège. Cet individu, je le dis ainsi, cet individu a écrit 2 livres en Argentine qui ne sont rien de moins qu'une collection d'obscénités qui est, entre autres, inclus et qui fait part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une collection d'obscénités. C'est une honte. Cela démontre clairement l'état de la guerre civile qui a aujourd'hui de facto lieu dans l'Église catholique. Cela ne veut pas dire que nous devons la quitter. Cela est un piège. Car, je vais vous dire, devant le scandale qu'il y a avec Fiducia Supplicans ou devant tous ces documents, le scandale de la Pachamama, vous savez, tout ce qui s'est passé, etc., etc., la liste est longue. Beaucoup de catholiques sont tentés d'abandonner l'Église catholique. Regardez, je suis un chevalier de colon aux États-Unis. C'est un ordre de chevalerie américain. Et c'est très peu connu, je crois, aux États-Unis. Mais j'ai vu dans mon conseil certains chevaliers qui non seulement ont quitté notre conseil, qui ont quitté l'Église simplement parce qu'ils considèrent l'Église une collection de scandales et une contradiction au dogme de la foi. Tel est le piège qui nous est placé devant nous.
de vouloir être tenté de quitter une église qui peut-être n'en est plus une. Je ne dis pas que c'est le cas, mais certaines personnes pourraient tenter à le croire. Sous aucun prétexte devons-nous quitter l'église catholique. Il faut voir l'église catholique comme un vaisseau dans une mer qui est engagée dans une tempête terrible, probablement la pire dans notre histoire. Et ceux qui sont à la barre, heureusement ou malheureusement, nous mènent vers une direction qui peut-être n'est pas celle voulue par notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, il faut maintenir un esprit calme et un sang-froid terrible. Tout à fait comme quand les apôtres étaient à bord de la barque, dans cet orage, et que le Christ commençait à s'approcher d'eux en marchant sur les eaux. Pierre a fait de même. Il a commencé lui-même à marcher sur les eaux vers le Christ, simplement parce qu'il a maintenu son attention envers lui. C'est au moment où il regardait à droite et à gauche et qu'il commençait à avoir peur, qu'il a commencé à sombrer. Même chose pour nous. L'Église en ce moment est en train de passer. Tout cela, je vous le dis, ce sont des propos que j'ai eus avec le Père Michel. Donc, c'est parfaitement à propos avec l'émission d'aujourd'hui. L'Église en ce moment est en train de passer par son propre via crucis, par son propre chemin de croix. Nous devons suivre les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en ce moment, on est pratiquement à Golgotha. On est sur le point où notre Église semblera à un moment donné crucifiée, tuée et enterrée. Je dis le mot « semblera ». Mais pour qu'il y ait une résurrection, il faut qu'il y ait une crucifixion avant. Or, la résurrection aura lieu. Ce sera le triomphe du cœur immaculé de Marie. Mais avant cela, nous devons terminer notre chemin de croix, arriver à Golgotha, accepter la crucifixion et attendre finalement les 3 jours pour la résurrection de notre Église catholique qui a déjà survécu tant d'autres choses. Amen. Alors justement, comme vous l'avez fait la dernière fois, vous l'avez initié et ça me vient là, Xavier, si vous voulez bien, je propose qu'on fasse une prière au Saint-Michel-Archange une fois de plus, parce qu'on vient d'évoquer vraiment le nerf de la guerre, donc Satan dans l'Église, et je nous propose de prier ce Saint-Michel-Archange, pourquoi pas, pour ce préfet du Dicaster, le fameux cardinal Victor Manuel Fernandez, puisqu'il est à la tête du catéchisme aujourd'hui qu'ils essayent de transformer. Donc on va prier, puisque le Seigneur nous demande de prier, que c'est ça notre arme à nous, et non pas de rentrer dans la violence et la colère, puisque ça c'est les armes du malin. Eh bien prions. Ok, je vous laisse guider cette prière, si vous voulez bien, vous voulez la faire en latin ou en français, comme vous voulez, vous voulez que je la fasse, c'est comme vous voulez Xavier, allez-y. Je peux la faire en français, mon langage est une vieille prière, c'est pas les mêmes mots que les vôtres, mais pratiquement. Entre parenthèses, le combat que vous avez mentionné, c'est vrai, le combat doit être fait spirituellement, voici mon épée. Et là, comme disait le Padre Pio, oui. Allez chercher mon arme. Mais vous n'avez pas d'arme, Saint Padre Pio. Non, il n'appelait pas ça encore, mais cher moine, il disait, mais si, là, mon chapelet, c'est ça mon arme. Exactement. Et avec toujours du panache. Donc, au nom du Père, Amen. Du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre les méchancetés et les embûches du démon. Que Dieu le commande, nous vous prions en suppliant. Et vous, ô prince de la milice céleste, armé avec le divin pouvoir, chassez en enfer Satan et tous les esprits malins qui infestent le monde en vue des pertes des âmes. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Xavier. Merci à vous. Alors, on en est à aux prophéties. Vous vouliez passer à... Allons-y. Allons-y gaiement. Alors, on a vu l'avertissement. On a vu qu'après l'avertissement, on allait avoir, avant le miracle qui viendra confirmer. On n'a peut-être pas parlé du miracle, d'ailleurs. Est-ce que le père Michel Rodrigue en parle? Alors, je vais juste, avant que vous laissiez répondre, donc 42 jours, 6 semaines à peu près, ou peut-être pas à peu près d'ailleurs, mais en tout cas, Garamandal est peut-être pas si précis, mais il parle aussi de 6 semaines, Glenn Hudson. Et donc, nous avons ce temps de grâce ou une belle conversion. Après, il faudra éviter, voire carrément jeter nos téléphones et nos télévisions pour ne pas être influencé par le malin qui va revenir chargé comme un fou pour essayer de détruire ce qui a été planté dans nos cœurs. Et donc, ceux qui seront tournés
ancrés dans la foi, recevront cette grâce de la petite flamme qui les guidera de pour rester pour une période, un laps de temps court ou moyen ou définitif dans le refuge ou en fait le lieu où ils devront vivre la fin des temps. S'ils doivent le vivre, puisque certains ne feront plus partie de ce monde, mais ceux qui seront encore de ce monde seront protégés dans les refuges, comme vous les appelez. Donc. Absolument. Alors, effectivement, concernant le signe est supposé avoir lieu entre 1 et 12 mois après la Pentecôte universelle, l'illumination des consciences. Alors, ensuite, le grand miracle, il parle, le signe, c'est le grand miracle. C'est le grand miracle. Le grand miracle, en fait, sera un signe qui ne sera pas palpable, mais qui pourra être photographié, pourra être filmé, mais ne pourra pas être déplacé, ni senti. Ni détruit. Il restera là, exactement, il restera là jusqu'à la fin de la Terre, la fin du monde. D'ailleurs, le Père Michel a dit qu'il lui fut révélé que la même chose aurait lieu à Medjugorje. Oui, et d'autres voyants, secret, d'ailleurs. Oui. Et d'autres voyants avec qui j'ai travaillé, dont je ne nommerai pas, parce qu'ils n'ont pas encore été formellement reconnus, mais c'était les mêmes voyants avec qui je travaillais lorsque je travaillais avec l'abbé Laurentin, avaient annoncé qu'effectivement, ces miracles auraient lieu dans tous les lieux d'apparition où la Vierge Marie est vraiment apparue, telle Lourdes, la rue du Bac, Guadeloupe et d'autres lieux. Donc, tel est le secret qui fut révélé, entre autres, au Père Michel. Après cela, l'humanité aura une dernière chance de se convertir. Ce sera une empreinte que Dieu laissera derrière lui pour prouver aux hommes incrédules qu'effectivement, toutes ces apparitions et tous ces messages, toutes ces admonitions venaient véritablement de lui. Si l'humanité alors ne se convertit pas, ce sera alors le châtiment universel qui aura lieu. Le châtiment consistera principalement en une guerre universelle, en une série de maladies qui seront absolument dévastatrices, et en finalement, le tout se terminera avant la Renaissance, avant un renouvellement de la société mondiale qui sera sur des bases catholiques. Toutes ces prophéties, cette période de temps par laquelle nous passerons, se concluront avec les 3 jours de 3 days of darkness, 3 jours de noirceur, 3 jours d'obscurité. 3 jours de ténèbres en français. Trois jours de ténèbres. Xavier, à ce stade, on est dans le conditionnel, hein, d'après Garambandal, c'est ça? Vous confirmez avec Père Michel Rodrigue que, dépendamment du comportement de la Terre, donc de nous, les habitants de la planète, de la créature, donc du Seigneur, après l'avertissement et donc après le grand miracle que vous venez de définir comme une confirmation d'envoyé de Dieu, là va dépendre de notre comportement et de savoir si oui ou non nous allons vivre le grand châtiment. C'est ça, c'est conditionnel. Vous avez mis le doigt dessus, c'est exactement ça. Donc, par conséquent, d'ailleurs, cela fait partie de la nature même d'une prophétie. La nature d'une prophétie est justement d'éviter qu'elle ait lieu. Cela est la nature même de la prophétie. C'est une admonition, c'est un warning qui est supposé mener et attirer à l'attention des hommes les conséquences de leur péché. La Vierge Marie a été très claire. À travers la prière du Saint-Rosaire, vous pouvez changer le cours des événements, le cours de l'histoire. Amen. C'est simplement l'humanité. Tout à fait comme avec Ninive et Jonas, n'est-ce pas? La ville était... Il avait été prophétisé sur décret de Dieu que la ville serait pulvérisée à cause des péchés de ses habitants et de son roi. Jonas a été envoyé là-bas très clairement pour expliquer, pour prophétiser, pour prêcher. Et le roi et le peuple s'est converti au point même de jeûner, de prier et de faire même que leurs propres bestiaux jeûnent. Et dites-moi. Me vient un témoignage, je crois qu'il faut que je le dise et il est à propos. Hein, je change pas du tout la conversation, au contraire, c'est grâce à vous que ça me vient. Je n'ai pas encore fait le témoignage de ma conversion, je pense que ça va se faire. Au temps de Dieu, je laisse faire, moi, je sais que ça va se faire. Je vais vous révéler quelque chose. Je ne dirai pas les détails, mais vous verrez, c'est pas nécessaire. Proche de moi, une personne très importante, très proche de moi, très très proche de moi, comme un parent,
était franc-maçon, franc-maçonne, c'est un homme. J'ai prié 10 ans le rosaire pour lui. Et un jour, il m'appelle, il me dit, Cyril, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Je dis oui. Il me dit, je quitte la franc-maçonnerie. Je dis, waouh, gloire à Dieu. Et là, tout de suite, je me renseigne, enfin, tout de suite, quasiment dans la journée, après avoir accroché, je me dis, mais quel jour on est aujourd'hui? Et nous étions le jour de la transfiguration du Seigneur. Le soir même, il va à la messe. Il était catholique, il vivait les deux, lui, hein, ensemble. Hein. Et on, combien de fois on a eu des discussions là-dessus? C'est pas le sujet, je vais pas m'arrêter là-dessus, mais vous pouvez me croire, on a passé des déjeuners entiers et des dîners entiers à discuter de ça, et c'est pas avec l'intelligence qu'on essaye de convertir les gens, c'est vraiment par la prière. Et donc, c'est grâce au chapelet, c'est pour ça que je parle de ça, Xavier, c'est grâce au chapelet, en priant pour lui tous les jours, que, au bout de 10 ans, il me dit, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. J'ai eu 3 confirmations, dans ma vie. Dans la même journée, c'était un samedi et c'était le soir, c'était la transfiguration du Seigneur. Il m'a dit ce matin, il s'appelle frère entre eux, hein, les francs-maçons, et donc j'ai un frère que je croise, et dans le témoignage de cette rencontre que j'ai eue avec lui, brève rencontre, hein, on s'est croisé en fait, c'était aux Caraïbes, donc je crois que c'était à la plage qu'il l'avait rencontré, et il s'était rendu compte que voilà, ce frère, comme il s'appelle donc, se déteste. Parce que il se saoulait déjà le matin à la bière. Il dit donc qu'il avait la haine de l'homme, la haine de lui-même. Il en conclut ça, mais c'est en fin de journée qu'il conclut tout toute sa journée. Pourquoi? Parce que vers midi, au milieu de journée, il rencontre un autre frère qui, dans une discussion avec lui, je crois qu'il avait déjeuné avec lui, lui vomit sa haine de Dieu. Et le soir, en fin d'après-midi plutôt, il est diligenté à une urgence parce qu'un de ses frères a donné un coup de couteau à un juge ou à un préfet, je ne sais plus, à une personne importante. Et il a fallu qu'il aille le voir pour essayer d'arranger les choses pour pas qu'il aille en prison. Alors la personne, en l'occurrence, n'a été qu'efflorée par la lame, n'est pas blessée outre mesure, n'est pas morte, certainement pas en tout cas. Et voilà, ça n'a pas été plus que ça, mais c'est quand même agression avec arme quand même. Donc c'était gravissime. Et là, il en conclut qu'il déteste son frère. Donc le premier se déteste lui-même, le deuxième déteste Dieu et le troisième de ses frères déteste son frère. Et là, il conclut, il faut que je quitte la franc-maçonnerie. Et le soir même, c'est la transfiguration du Seigneur. Et je conclurai en vous disant que le jour, vous savez, quand vous quittez la franc-maçonnerie, vous devez écrire une lettre. C'est comme ça que ça se passe. Et le jour, il remet sa lettre officielle, où il quitte sa loge, ou plutôt une de ses loges, enfin bon, peu importe. Eh bien, c'était le jour de la Saint-Jean. Et dans sa loge... dans une des loges, je crois que la deuxième aussi, mais les loges les plus importantes, ils ont le livre ouvert, la Bible ouverte à Saint Jean, qu'ils ne lisent jamais d'ailleurs, mais c'est ouvert là au milieu d'eux, au milieu de l'assemblée. Et donc le jour de la Saint Jean, il remet cette lettre de démission de la franc-maçonnerie. Et tout ça grâce, c'est pour ça que j'ai dit, je voulais témoigner de ça, tout ça grâce au rosaire. Par la prière du rosaire, j'ai vu la conversion de cet ami très très proche. Voilà, je voulais juste dire ça. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, en effet. C'est extraordinaire. Je vous ai tellement coupé là qu'on en était où? Alors, vous disiez que... Pardon, Xavier, mais ça m'est venu, je pensais que c'était important de le dire. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous n'avez pas demandé pardon. C'était absolument nécessaire que vous le disiez. Vous avez bien fait. Donc, merci. Concernant les prophéties du Père Michel, donc, effectivement... Le châtiment aura lieu si l'humanité ne se convertit pas. Cela est la nature même de la prophétie, n'est-ce pas? D'essayer de mener les gens à une conversion, principalement une conversion qui, comme nous l'avons discuté dans votre émission antérieure, doit avoir lieu sur la base des Saintes Écritures, vivre sa vie sur la base des Saintes Écritures, des Saints Évangiles, des enseignements de Jésus-Christ, sur la base des Saints Sacrements de l'Église catholique. Principalement la Sainte Confession, si possible, une fois par mois, et préférablement tous les premiers samedis de chaque mois, et la Sainte Communion, si c'est possible tous les jours. Mais sinon, tous les dimanches, et en état de grâce, c'est-à-dire si vous avez commis un péché mortel, allez vous faire confesser d'abord, et ensuite recevez le Saint-Sacrement de l'autel,
en état de grâce. Si vous recevez ou si vous venez à recevoir la Sainte Communion sujet à un péché mortel, vous mangeriez votre condamnation. C'est un péché mortel que de faire cela. Ce serait, vous recevriez la communion. Oui, allez-y. Xavier fait référence au premier samedi du mois par rapport au message de Fatima, de Notre-Dame de Fatima, aux trois enfants, Saint-Hyacinthe, Saint-Francisco, Vénérable Lucie de Fatima. Et le premier samedi du mois fait référence au triomphe du cœur immaculé de Marie. Voilà, juste petite parenthèse. C'est la raison pour laquelle c'est demandé. Tout à fait. Donc, le Père Michel a annoncé, et je vais aller vite parce que je crois qu'on arrive à la fin de votre émission, mais pour vous donner les grandes lignes, le Père Michel a annoncé qu'il y aurait, en plein milieu de tous ces événements que nous venons de couvrir, il y aura effectivement une troisième guerre mondiale. Une guerre mondiale où il y aura quelques échanges nucléaires. Entre autres, Dieu lui a montré une vision où il voyait un chef d'État qu'il ne reconnaissait pas, mais qu'il devinait par l'aspect était est-européen, et entouré d'officiers en uniforme russe. Et cet homme, ce chef d'État, paraissait montrer un sentiment comme quoi il disait, je les ai prévenus, ils ne m'ont pas écouté. Et soudain, il y avait une boîte qui s'ouvrait comme ça, un bouton rouge, et il voyait la main de cet homme appuyer sur le bouton rouge. Immédiatement après, le Père Michel a été comme projeté dans l'univers. Il était au-dessus de, vous savez, comme dans une immense salle de cinéma, immense avec Cinemax. Je ne sais pas si on a ça en France, mais on voit un énorme écran géant. Il était comme dans l'espace, projeté dans l'espace. Il voyait la Terre illuminée, n'est-ce pas? Et soudainement, il voyait des petites lignes blanches qui démontraient des... Comment dirais-je? Il y avait des quantités énormes de petites lignes blanches qui sortaient de la Russie, qui passaient au-dessus du pôle Nord et au-dessus du Canada. Comment? Des missiles? Des missiles nucléaires. Ces missiles intercontinentaux passaient au-dessus du pôle Nord, Canada, et se dirigeaient vers les États-Unis. Puis une main mystique apparaissait et repoussait l'immense majorité de tous ces missiles, sauf 7. 7 missiles poursuivaient leur trajet et frappaient en 7 points différents les États-Unis. Immédiatement, le Père Michel a vu une énorme illumination sur ces 7 points de la carte américaine. Enfin, il était au-dessus du globe. Puis soudainement, il était à nouveau projeté dans une de ces villes. Et là, il voyait une maman, une jeune maman très jolie américaine qui poussait une petite poussette avec un bébé à l'intérieur. Il voyait des gratte-ciel. C'était en plein jour. Peut-être il devait être 1 heure de l'après-midi par là. Et des tas de gens qui traversaient la rue, des klaxons de voitures, etc. Et il regardait. Personne semblait le voir à lui. Et soudainement, il voyait cette maman qui poussait cette petite poussette, regardait comme ça en faisant comme ça pour quelque chose qui provenait du ciel. Puis soudainement, d'une vélocité indescriptible, une immense lumière éclata en plein milieu de la ville. Et cette maman qui faisait comme ça, et il en était choqué, a été pulvérisée. Son corps, sa peau était devenue liquéfiée et elle cessa d'exister. La ville entière fut immédiatement dévastée. Mais la quantité de détails fut tellement choquante. Et cela, le frère Philippe me l'a dit. C'était quelques jours avant que je sois arrivé. Le père Michel en fut tellement profondément choqué quand il célébrait la messe, il ravalait ses propres larmes. Il n'arrivait pas à maintenir un discours sans une voix tremblante. Il essayait par tous les moyens. Mais il en a été choqué pendant 3 jours. Il ne voulait parler avec personne. Dès que ses offices étaient terminés, il rentrait directement dans ses quartiers. Il ne voulait voir personne. Il en a beaucoup souffert. Quand j'ai parlé au Père Michel, quand je suis allé le voir au mois d'août, il m'a appris, on faisait un tour autour de la propriété, de son refuge, et qui contient le monastère et 2 autres édifices. Et il marchait, les mains derrière le dos, il me disait, Xavier, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Et il m'a tout raconté. Donc, il souffrait parce que il avait vu tellement de destruction, des enfants mourir, des édifices devenir comme du sable d'un moment à l'autre, une luminosité tellement foudroyante, des gens qui criaient, qui souffraient, puis leur voix disparaissait. C'était absolument horrible au point que ça l'est tellement tourmenté. Et au fur et à mesure qu'il décrivait cela, il en avait à nouveau la voix qui en tremblait et ses yeux étaient devenus tout rouges. Mais vous savez, c'est vraiment atroce. Ce que l'humanité
peut vraiment être inhumaine envers elle-même. Mais il m'a dit, vous savez, tout ça, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Et l'homme qui s'est laissé berner par son orgueil, au point de le diable a mené l'humanité à lui faire croire qu'elle n'a pas besoin de Dieu et qu'elle peut devenir son propre Dieu, qu'elle peut être indépendante. Quelle folie. L'homme est vraiment un être de folie. Ensuite, il m'a expliqué que c'est qu'il y aurait donc une guerre qui durerait environ et que les gens seraient appelés à rester dans les refuges pendant environ 3 ans, le temps du parcours de cette guerre mondiale. Il a expliqué, il a parlé aussi d'un grand monarque français qui serait descendant de son Altesse Louis XVI et Marie-Antoinette. Et Michel Rodrigue en parle aussi. Il en parle aussi. Et il en sait plus qu'il en dit. Il ne veut pas. J'étais assez malin pour comprendre. Et je le sais par Marie-Julie Jani qu'il ne faut pas poser de questions. Mais il a dit que le grand monarque a en ce moment observe et attend. C'est un homme qui vient d'origine très humble. Il travaille dans une position très humble, mais qu'il ne faut pas essayer de, comme disait Marie-Julie Jani, qu'il faut le laisser tranquille. Le moment viendra quand Dieu lui enverra un messager pour qu'il vienne en France. Et qu'effectivement, il rétablira l'ordre en Europe, une Europe qui sera mise à genoux par elle-même et qu'il placera à la tête de l'Église un cousin éloigné du roi, et ce sera aussi un Bourbon, et ce sera la personne la moins indiquée ou la plus inattendue. Voilà, la plus inattendue. Mais ce sera un cousin éloigné du roi. Et que ce roi sera un grand roi, il régnera pendant un certain temps et qu'il mènera miracle après miracle pour la libération de ce qui restera de la France et la restauration de l'Église catholique. Donc tout cela se passera et après ce sera une renaissance. Après il y aura les 3 jours de ténèbres qui auront lieu en France, dans le monde entier. Et là ce sera une terrible purification, ce sera le châtiment. Donc Conchita González a mentionné à El Pueblito de Santander de Garabandal. Donc, à ce moment-là, ce sera là où tous les ennemis de la religion, tous les ennemis du Christ, seront éliminés par l'ange destructeur. Entre quote unquote. N'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, ceux qui survivront seront ceux qui auront maintenu leur foi ferme en Dieu, en l'Église, mais ceux qui survivront passeront par des moments très difficiles après que tout sera fini. Ça prendra du temps pour que le monde rattrape son souffle. La terre ne produira pas pendant quelques années, pendant de nombreux mois. Et après, les choses vont commencer à se développer et ce sera véritablement la chose la plus proche du ciel que la terre aura jamais expérimenté, aura jamais vu. Mais ça prendra un temps pour reprendre le souffle, effectivement. Bon, tout ça, c'est au conditionnel, mais nonobstant, on va de toute façon jusqu'au grand miracle. Là, on n'est plus dans le conditionnel. Il faudrait quelque chose de tellement drastique, du style 1 ou 2 millions de personnes qui se mettent à prier le rosaire, place Saint-Pierre. Donc, comme ça ne va pas arriver, malheureusement, on est condamné à aller jusqu'au grand miracle. Mais je soulève, parce que c'est très important ce qu'a dit Xavier, il l'a dit clairement, le grand l'avertissement, c'est un acte de miséricorde par excellence. C'est la Pentecôte numéro 2. Si Dieu ne faisait pas ça, c'est quasiment tout le monde va en enfer. Dans l'état du monde est tellement noir, tellement ténébreux, tellement impur et englué dans le péché à tous les niveaux, que ce soit bien sûr l'orgueil, puisque c'est le père des péchés, mais l'impureté, la Vierge Marie le dit, je crois, à Garabandal et à Fatima, que c'est par les péchés d'impureté que les âmes vont le plus en enfer aujourd'hui. Et avec le développement d'Internet, la pornographie, la pédophilie, etc., et toutes ces images terribles qu'il y a en ligne, et aujourd'hui ces enfants et TikTok qui voient du porno à 9 ans, quoi. Ça flippe comme ça de avec le pouce, ils voient que ça, que des actes pornographiques sur leur téléphone. C'est certain, à 9 ans, c'est terrible. On vit une époque de dingue. Enfin bon, ce que je voulais dire, c'est que c'est un acte de miséricorde par excellence. Ça, c'est le plus important qu'on va vivre avec cet avertissement. Vous l'avez mentionné brièvement, mais certaines personnes ne pourront pas le supporter. Heureusement, ça ne sera pas la majorité, mais certains vont en mourir tellement ça sera terrible à voir. Comme vous disiez si bien, Xavier, qu'on va se voir soi-même comme Dieu nous voit.
Exactement. Et voilà, il s'agit simplement, et le Père Michelin insiste beaucoup sur ce fait, il faut vraiment garder la tête froide, garder son sang-froid et s'en remettre totalement à Dieu, ne pas avoir peur. Dans les livres, je vais essayer de le faire en français le plus vite possible. Vous avez 2 heures. ce qu'il faut faire par-dessus tout, consacrer tout de suite avec de l'eau bénite et de l'eau exorcisée. Le Père Michel invite, et il y a un rituel qui est très simple. Le Père Michel invite tout de suite à transformer vos foyers en des refuges temporaires. Tout de suite, vous pouvez le faire. Avec de l'eau exorcisée par un prêtre et avec du sel exorcisé par un prêtre. Il y a un rituel et des prières que les prêtres doivent réciter pour transformer ce sel et cette eau en eau exorcisée. Une fois que vous l'avez, vous devez aller sur les 4 coins de votre maison ou de votre propriété, disons la maison pour commencer, ou un appartement. Et vous devez placer en signe de la croix, si vous avez un spray, l'eau exorcisée en faisant une prière, en consacrant votre maison au cœur sacré de Jésus, au cœur immaculé de Marie, en les leur offrant votre foyer comme refuge temporaire ou éventuellement permanent, et leur promettant d'ouvrir la porte de toute âme, de tout fidèle qui demanderait sanctuaire chez vous. Ensuite, si vous avez un jardin ou une propriété, vous devez faire la même chose en offrant votre terrain, votre terre, votre bien au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé, en leur consacrant et en leur offrant, en disant « Ceci est votre terre, Seigneur Jésus, je vous l'offre. Faites de cette terre de votre bon vouloir. » Et Amen. Faites-moi savoir toujours d'ouvrir la porte auprès des fidèles que vous m'enverrez. Faites cela dès aujourd'hui. Mais concernant les refuges permanents, il y a une chose qui est certaine. Dieu le Père a clairement expliqué au Père Michel que tous les lieux permanents, tous les refuges permanents auront bien un puits ou une source d'eau potable dans la propriété. Si vous n'en avez pas, ça veut dire que vous serez appelé à aller ailleurs. Ah, d'accord. Voilà. Donc, j'ai sont découvert, les moi, qu'il y en avait un. Il y en avait un près de chez moi. J'ai découvert ça l'été dernier. Contre toute attente, le voisin me dit « Il y a un vieux puits ici qui n'est plus du tout utilisé, qui est tout au fond, là. On peut y accéder si vraiment on le voulait. » Je dis « Bon, bah, tiens, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. » Très bien. Très, très bien. Donc, vous avez les grandes lignes. Je sais que nous faisons maintenant la course contre la mort. Xavier. Oui. Avant de terminer, en respect envers les commentaires de certains de nos auditeurs de la semaine dernière, je pense que la réponse elle va être dans la question, mais quant aux autres visionnaires contemporains comme Luz de Maria, Lorena, les apôtres du scapulaire en Irlande, en Australie, j'ai envie de dire le discernement, parce que comment faire une liste de celui-là c'est bon, celui-là c'est pas bon, c'est assez compliqué. Bon, déjà, premièrement, qu'est-ce que dit l'Église? Est-ce qu'il y a un évêque qui les suit? Même si ça aussi, ça peut être sujet à controverse aujourd'hui, malheureusement, du fait que voilà, on vit des temps qui sont les derniers. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme lumière à cette question aux visionnaires contemporains? Qu'est-ce que vous pouvez dire, Xavier? Ceci. Tout véritable messager de Dieu implorera au nom de Dieu, au nom du ciel, au nom de la Vierge Marie, à chaque personne de se convertir tout de suite, de façon urgente. Quand je parle de conversion, de se diriger à l'Église catholique, c'est-à-dire de recevoir le Saint-Sacrement de l'Église, de vous faire confesser, de préparer vos foyers, de porter également les sacramentaux requis, la médaille miraculeuse, n'est-ce pas ? Un crucifix. Amen. Avec un corpus, portez sur vous le saint scapulaire du Mont Carmel, dont la promesse est que, nonobstant quel type de vie vous avez mené, si par action de foi, au moment de la mort, vous portez ce scapulaire, quoi qu'il arrive, vous ne souffrirez jamais les feux de l'enfer. Portez-le, préparez vos foyers, changez vos vies, déclarez la guerre aux médiocrités quotidiennes de tous les jours, retournez vers Dieu, retournez vers la prière du Saint-Chapelet tous les jours et vers la messe. Si vous avez un supposé messager de Dieu qui vous tire, qui vous mène dans cette direction, vous pouvez la croire. Je termine en vous disant ceci, le jour viendra, et cela sera le début où Dieu ne le tolérera plus et il interviendra.
le jour viendra où l'Église catholique essaiera de réunir sous un même toit tous les différents credos pour prier un seul et même Dieu. Et la liturgie de la consécration du Saint-Sacrement de l'autel changera et ne sera plus valide. Ce sera à ce moment-là que les véritables fidèles seront appelés à célébrer et à adorer le Saint-Sacrement de l'autel, la Sainte Eucharistie, en secret comme dans les temps des catacombes. Cela sera inadmissible aux yeux de Dieu et ce sera au moment où Dieu interviendra dans l'Église catholique et dans le monde. Préparez-vous. Amen. Merci Xavier. Eh bien écoutez, je vous propose, je pense qu'on a fait une très belle émission, j'en suis très heureux. Est-ce que vous voulez que je montre la carte sans qu'on l'explique puisqu'on va, je le dis d'avance, prochaine émission samedi prochain, vous n'allez pas vous débarrasser de nous comme ça, chers auditeurs. Vous allez en manger du Xavier Héral et du Cyril Cato Laïc TV pendant quelques semaines jusqu'à ce que vous en soyez dégoûtés, parce que nous sommes à la fin des temps et il faut qu'on se prépare et il faut vraiment propager ces messages. Donc la semaine prochaine, Xavier Héral propose Marie-Julie Janney, une émission spéciale sur cette sainte âme, j'ai envie de dire, et qui est déjà pas mal connue. Donc, tiens, je mets la nouvelle carte éditée qui m'a été demandée donc par des auditeurs et Xavier nous la développera la semaine prochaine. On fait ça comme ça? Absolument. Vous voulez en parler un petit peu? Oui, on va nous montrer bien. Cette carte, je l'ai moi-même dessinée sur la base des apparitions et prophéties de Marie-Julie Janney. Celle qui est normalement connue, qui provient de l'Afrodais, n'est-ce pas? La carte de France conventionnelle a été dessinée par le général Végan quelques années après la guerre. Mais je la trouvais tellement incomplète, surtout que dans cette carte qu'avait dessinée le général Végan, il n'était pas indiqué les routes et les principales fers de lance de l'attaque russe en France. Celle-ci est un petit peu, je ne dirais pas bâclée. Elle montre beaucoup de flèches, mais principalement, il y aura trois attaques qui viendront des Russes. L'attaque principale ne sera pas dirigée sur Paris, mais sur Orléans, puis sur Nantes. La seconde plus grande attaque aura lieu directement sur Paris et où les forces françaises résisteront avec courage et honneur pendant 45 jours jusqu'à qu'il n'ait plus de munitions. Et la troisième grande attaque viendra par la Picardie. Je continue à appeler la Haute-France la Picardie, la Normandie, et de là, les forces ennemies seront arrêtées parce qu'il restera des forces armées françaises jusqu'à l'arrivée de Henri V de la Croix, direct descendant par la loi salique de leur Altesse Louis XVI et Marie-Antoinette. On en parlera la semaine prochaine. J'ai beau vivre à l'étranger. Français je suis, français je reste. Je suis passionnément amoureux de mon pays et jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour où je ne pourrai plus ouvrir les yeux. Donc j'ai hâte. Très bien, Xavier. J'ai eu beaucoup de requêtes de contact direct. Alors bien sûr, je suis resté très discret, c'est normal. Est-ce qu'il y a un endroit ou une manière de rentrer en contact avec vous privilégié ou pas? Pouf, je suis dans le processus de construire un site électronique. Et le problème, c'est que je ne me fais pas que des amis. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi très longtemps avant de me lancer dans cette campagne. Mais je m'en fiche. Pour la communication, écoutez, oui. Vous pouvez m'envoyer, si vous voulez, par Skype des messages écrits. J'ai une adresse Skype qui est eral.family1. Donc, c'est eral, A-Y-R-A-L, comme vous le voyez ici en dessous de… Comme vous le voyez ici. Oui. Là. Eral. Oui, point. Family. Famille en anglais, oui. Family, suivi du numéro 1, tout en un seul mot. Très bien. Vous pouvez m'envoyer des messages écrits là. Voilà. Entendu, Xavier. Donc, la semaine prochaine, on termine cette émission. La semaine prochaine, c'est Marie-Julie Janney avec Xavier Héral, même heure, même jour. Et en attendant, nous restons près des confessionnaux, près de la Sainte Messe, près de notre Seigneur que nous recevons, comme nous l'avons appris toute cette semaine dans Saint Jean chapitre 6. Mangez mon corps, buvez mon sang, et comme ça je vis en vous et vous vivez en moi. Xavier, vous nous guidez, dans la prière en latin, pour terminer?
D'accord. Paternoster, avec Maria et Gloria ou simplement Paternoster? Bah, allez, les trois. Il n'y en a jamais trop. D'accord. Je vous remercie, Cyril, pour votre gentillesse. Et je remercie tous vos téléspectateurs pour leur gentillesse. Même s'ils ne croient pas en tout ce que j'ai dit, je sais qu'ils sont de bonne foi et je vous remercie tous. Et ça m'a fait un plaisir immense que de pouvoir parler dans ma langue maternelle auprès des miens. Alors, je vous remercie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, et Mater Nostre, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Deo gracias, et merci beaucoup. Merci Xavier. Et pour rebondir sur ce que disait Xavier à l'instant, s'il y a des commentaires malveillants, il y en a très peu, hein, gloire à Dieu. Il y a beaucoup, beaucoup de beaux commentaires et de témoignages de foi et de conversion de personnes qui sont très, très heureuses de vous découvrir, Xavier. Eh bien, s'il y a des mauvais commentaires, je le dis souvent dans mes vidéos, on les garde puisqu'ils nous aident à référencer la chaîne. Donc, tant mieux, on vous remercie. Mais en plus, on va les aimer. Donc, on leur répond. Je n'ai pas besoin de le faire. Vous pouvez, n'importe qui peut le faire sur la chaîne. N'importe quel membre de cette chaîne peut écrire Jésus t'aime. Voilà, on répond tout simplement ça parce que, un, c'est vrai et deux, bah, ça référence la chaîne. Donc, c'est très bien. Merci à tous. Si vous n'êtes pas abonné, bah faites-le. Cliquez sur la petite cloche pour vous assurer de bien recevoir les nouvelles vidéos. Cliquez sur le petit j'aime, le petit like, ça aide aussi la chaîne. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup Xavier, passez un bon week-end en famille. On vous aime très fort, à bientôt. Moi aussi, une prière, à bientôt. Xavier. Quelle belle émission les amis, gloire à Dieu. Moi, j'ai appris plein de choses et je suis réconforté. J'espère que c'est votre cas aussi dans votre cœur. En tout cas, merci à Xavier Herral pour le temps qu'il nous donne pour nous transmettre ces informations et nous informer, oui, tout simplement, sur la vérité. Parce que c'est ce qui se passe. Quand on n'a pas la vérité, on s'imagine des choses, moi le premier. Et voilà, on a besoin de cet éclairage qu'est la vérité. C'est le Seigneur. La vérité, c'est le Seigneur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Dieu. Alors, la semaine prochaine, peut-être un live. Je vous informerai en début de semaine si c'est le cas. Émission sur Marie-Julie Janney à la demande de Xavier sur, mais peut-être live. Et ça, je le saurai plus dès demain, mais probablement au plus tard, voilà, mardi, mercredi, mais je vous informerai sur la chaîne. Ce qui permettrait à certaines personnes eh bien, de réagir en live et en direct et de poser des questions. Je respecterai le cas échéant, bien sûr, les fuseaux horaires pour nos amis antillais, américains et canadiens. Donc, je vous informerai tout simplement à ce sujet. Voilà, les amis, partagez bien cette émission, s'il vous plaît, autour de vous. À tous les niveaux, j'ai besoin de vous. Un petit j'aime, un petit commentaire, ce qui augmente le référencement de cette émission, ce qui permet à cette émission même, cette vidéo, d'être plus partagée sur YouTube et donc de toucher plus... un plus grand nombre, pardon, de nos frères et de ce fait d'évangéliser pour le royaume de Dieu. Ça ne sert qu'à ça. Hein. Cette chaîne est christocentrée, ces thèmes sont christocentrés pour le salut des âmes. Voilà. J'ai besoin de votre aide à tous les niveaux, je disais, financièrement inclus. Je suis en train de développer cette chaîne. Je ne sais pas exactement ce qu'elle sera in fine, mais comme tout projet, on le découvre au fur et à mesure.
je m'adapte à la réalité de la demande de la Providence. Voilà. Mais financièrement, ça m'aide pour tout ordre, que ce soit des nouveaux ordinateurs, de l'éclairage, de la micro, des microphones qui arrivent aussi, des mixeurs, du déplacement pour des interviews particulières, que ce soit prochainement en Bosnie-Herzégovine, mais aussi en Espagne et outre-Atlantique. En tout cas, je la développe pour vous. Elle sert au service de l'évangélisation du monde et j'en suis très heureux d'être au centre de ça et j'espère être un bon serviteur pour vous et pour le Seigneur. En tout cas, j'ai besoin de vos prières, ça c'est sûr. Je suis attaqué comme tout le monde, mais vous êtes vous dans mes prières quotidiennes à l'Eucharistie. Je mentionne les membres, les abonnés de la chaîne catholique TV Cyril pendant la consécration. Donc sachez qu'il y a au moins quelqu'un qui prie pour vous en tant que membre de cette chaîne chaque jour à la messe. Gloire à Dieu. Voilà, je vous invite une dernière fois à prier encore pour le père Janvier Gbenou qui est accusé et donc qui va devoir faire l'expérience d'un procès canonique, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Donc il a besoin de nos prières. Hein. On lui reproche d'avoir accusé le pape François d'hérétique. Donc il a besoin de nos prières. L'archevêque Vigano est de son côté, donc il appuie sa thèse et son postulat face à la situation de malentendu ou de, je sais pas trop le terme utilisé, de conflit en tout cas. J'espère pas une scission, nous allons voir dans l'église. Donc il a besoin de nos prières, le père Janvier Gbenou. Prions aussi pour les enfants. Prions pour les enfants, rappelons-nous, les médias nous bombardent d'informations qu'ils veulent bien nous donner, mais pas assez sur la souffrance des enfants qui sont kidnappés pour des réseaux pédocriminels. À travers Sound of Freedom, nous avons découvert un peu mieux ce poteau rose. Donc nous devons prier pour ces enfants. Il n'y a pas plus grave à mes yeux, je ne sais pas vous, que de faire du mal à un enfant. Et ils ont besoin, vous qui regardez cette vidéo, moi-même, nous avons été des enfants. Nous savons exactement ce que c'est que la fragilité d'un enfant et le besoin d'être sécurisé et d'être aimé. Donc prions pour ces enfants, qu'ils soient rendus à leur famille, qu'ils soient libérés, qu'ils ne soient pas touchés. La prière change les choses, croyez-le. On l'a vu encore dans cette émission avec ce qui s'est passé avec le père Michel Rodrigue. C'est la prière qui change les choses et elle pourrait vraiment changer le monde. Comme quoi, tout est dans nos mains. Donc on peut changer les circonstances de nos vies personnelles, mais de ceux de nos frères, de nos amis que nous cherchons, dont nous espérons la conversion. Donc prions, s'il vous plaît, un petit peu pour les enfants chaque jour. Et aussi, rappelons-nous aussi cette grosse pierre d'évangélisation qui arrive, qui est la résurrection du Christ, le sequel, la suite de la Passion du Christ de Mel Gibson, Jim Caviezel et toute l'équipe. Ils ont besoin de nos prières quotidiennes aussi, puisqu'ils sont inévitablement attaqués. Ça va faire tellement de bruit et tellement de bien pour le royaume de Dieu qu'ils ont besoin de nos prières. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour d'autres émissions et je vous tiens au courant pour la semaine prochaine. Merci de votre contribution, merci de votre aide, merci pour vos prières aussi. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu les amis.